conflit, eh bien, dans la question de gestion et résolution des conflits, négociation, c'est un outil qui est plus puissant pour résoudre le conflit. Même si nous-mêmes, très souvent, malheureusement, nous refusons de dialoguer. Est-ce que c'est la communauté locale ou ensemble des organisations de base, des partis politiques, des forces vives de la société en Haïti qui ont même motivé Religion pour la paix pour faire démarche ça, ou bien gagner un tonton blanc qui dit faut que nous fassions, puisque à rappeler situation était très mal le parti AAA et mouvement troisième voie t'es écrit Religion pour la paix, yo t'es dit yo pas rentrer la donne. Et à ce moment-là, le président Jovenel Moïse, le pouvoir, était beaucoup plus en difficulté par rapport à aujourd'hui. Sinon, kidnapping, non, retirer le mettre à côté, n'a pas que, dans un moment, t'es un monde qui écrit Religion pour la paix, que le refuser, situation, t'es plus malouk, et le président Jovenel Moïse n'avait pas le dessus. Mais je vous dis, il y a un monde qui a questionné. Pour l'instant, pas tellement gain équilibre, même si gain, yon. Nouveau président appelé baptême de poupée par Dira Simon Dieu seul dans l'émission que le dégain là parce qu'il dédie son poupée pour baptiser. Donc pour lui-même, président opposition, c'est pas clair. Donc je dis, on peut regarder les questions élection, amendement, référendum, enfin pas même amendement, nouvelle constitution et référendum. En pile, mon nom est Mathias Pierre, ministre pour élection. Ministre pour référendum, ministre pour nouvelle constitution. Mais avec nous pourrons regarder un ensemble de grandes questions. Avant de continuer, mesdames, messieurs, je dis bonsoir à mon frère, président Jean. Bonsoir, Kamban. Nous saluons le pays d'Haïti qui branche l'émission Haïti débat dans le Sahara. Nous saluons les gens qui attendent nous dans l'international là, à travers les réseaux sociaux. Donc, sous plateforme Facebook, là, là, donc, il y a un pile de monde qui toujours prend place de très tôt. Et depuis 2 heures, fait bang, yo geta pou place pa yo pour yo capable vin et assister à émission Haïti débat qui toujours porter pour nous non seulement des analyses, des commentaires, mais venir avec des invités côté nous plus ou moins et garder qui ça gagne actualité a qui jeune ka permettre que moun yo comprenne davantage ça ka privé en d'un pays a. Donc de gol a mande pou nèg ou fon ti calme pour nous, bon. Vous connaissez, nous avons une période de football, nous avons parlé de football qui va arriver. Maintenant, le pays a jeudi, ça a beaucoup changé, il y a un pile de difficultés. La crise politique là, continue à rester sa liée, malheureusement. Beaucoup de gens ont un accord qui joint, puisque nous avons parlé d'accord depuis 2018. Nous avons parlé d'accord pour te gagner un accord qui te joint, pour te permettre que nous sommes plus ou moins. Il y a une possibilité pour organiser de bonnes élections dans le pays. Il y a une possibilité tout pour la population de joindre en mieux-être à partir des pouvoirs qu'il a, à partir de feuille de route qui a été cabaye à un gouvernement qui t'a installé, mais nous pas jamais là. En pile fois, c'est pouvoir qui pas quitté sa arrivée. En pile fois, tout c'est opposition qui empêche sa arrivée. Donc ça fait la population souffrir davantage. Donc je dis à nous n'en carrefour, puisque non seulement dans le pays d'Haïti, l'opposition a parlé de fin mandat Jovenel Moïse et que son président de facto qu'il a et pendant restant ça, puisque d'après l'opposition, mandat a fini 7 février 2021. Mais international là continue à être quoi que mandat Jovenel Moïse pas fini, puisque international là trouve des comportements qu'il a affiché par rapport à des dictateurs, et tout des comportements que vous affichez par rapport à des mouns qui a dirigé des pouvoirs de facto sur tout continent. Donc ça veut dire gagner en pile considération qui gagne par rapport à pouvoir clair. Donc si international est capable de continuer à interaction avec pouvoir qu'il a, ça veut dire c'est que il a accepté que Jovenel Moïse mandat beaucoup fini et qu'il a fini 7 février 2022. Parce que ça pour tout le monde comprendre, si Jovenel Moïse t'a arrêté pour pipiti 8 février 2022, on a senti que toute international la net a désolidarisé avec comme président de la République et tout le monde connaît qui ça qu'arrivé avec un pays tant que les États-Unis qui type de réaction qui est capable gagner. Maintenant
Et je dis à est-ce que vous continuez à mettre poids dans la balance là pour regarder qui est policier qui a fait en Haïti? Oui, il y a toujours fait, puisque, pas oublier non, 2018, 2019, 2020 en tout, et toujours il y a des émissaires qui sont aux États-Unis et qui sont dans le département d'État qui viennent là, qui viennent parler avec différents leaders politiques qui ont un pouvoir, qui ont une opposition, pour toujours demander pour joindre un consensus qui permettre que nous sortions dans sa nié là. Bon, malheureusement, en Haïti, c'est seulement blanc, nous tendez. Mais dans le micro, ça, dans le scoop, dans Haïti débat, je ne sais pas que nous avons gagné des messages qui sont contraires à ça, puisque nous toujours croyons que les NAP vivent des situations de crise. Donc, approche gagnant-gagnant, c'est meilleure approche là. Donc, là, mieux que nous venons consensus autour de ça, nous avons comme problème, nous discuter. Et c'est ça peut-être nous pas qu'à faire depuis plus passé 30 dernières années, ça, qui fait Haïti dans sa lié là. Puisque nous ne pouvons jamais d'accord pour nous joindre en entente sur ça que nous pas d'accord avec. Nous ne pouvons jamais d'accord faire ça. Et à chaque fois, nous joignons des petites solutions, m'dadi, conjoncturelles, vraiment conjoncturelles, pour nous sortir dans un impasse et puis après ça nous retourner dans le même dilemme non encore. Et c'est ça qui vient à chaque fois. Je dis à un gros chantier et que le pouvoir qu'il a décidé mettre et dit travail sous lui pour être dans qui sens il était capable et porter une amélioration. Chantier ça c'est constitution, puisque depuis René Préval, dans l'année 2006, entre 2006 et 2011, René Préval, d'ailleurs, c'était exactement en 2008, Préval d'après dit que constitution ça son source d'instabilité et que d'après le temps d'échanger amender li et en année suivante 2009-2010, il tente changer li. Donc tout le monde voit qui problème qui passait dans amendement constitution, mais malgré ça, une dizaine d'années après, nous pas jamais arrivé à appliquer constitution amendé, même j'en ai pas jamais appliqué constitution 87 là. Donc je dis à débat sur toutes les lèvres, c'est tout le monde qui gagne m'a dit expertise dans question constitution qui estimait que constitution a mérité changer. Donc en pile monde dit le mérité changer, madame Maniga dit le mérité changer, mais Dorval qui mourir qui a que assassiné te dit constitution a mérité changer. Il était toujours croire que meilleur les pour changer c'est dans période spéciale tant que période ça quand il pas parlement, puisque il était toujours croire que et il y a des changements profonds qui a voulu mettre dans la constitution. Si son parlement cap agit sous lui, parlement pas d'accord que retirer, puisque en pile monde et fait constat ça que parlement législatif là il gagne en pile pouvoir dans la constitution 87 là, également dans la constitution amendée là, il pas réduit pouvoir et parlement et au grand parlement et qui pas du tout productif, mais qui a une capacité pour le bloquer, quel que soit sa cap fait là, ou bon ensemble d'institutions qui étaient méritées gagner, m'a dit plus latitude, plus indépendance, plus autonomie pour être capable de fonctionner à plein régime, qui n'a pas gagné, ou bien exécutif là tout, et dans l'autre pays, il y a le pouvoir exécutif là, des moyens pour agir au cas où il a gagné des difficultés par rapport à l'autre pouvoir, yo. En Haïti, nous pas gagné. Donc, principe Montesquieu, à sens, c'est pas respecté dans le niveau ça, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, et si législatif là, carité, exécutif là non cosi sur 87 et amendé à exécutif là pas de possibilité pour arrêter législatif là non constitution ça. Donc ça veut dire gain gon check une balance qui doit faite en de constitution 87 là. Donc en pile monde estimé que constitution ça te mérité changer, mais qu'on a la grande question c'est qui est-ce qui a changé, puisque René Préval t'est amendé, Michel Matéli pas te changé, ni m'a dépo amendé, et dernier rapport te gagne en bas dans chambre députée avec commission qui t'a dirigé par député Jerry Tadje. Donc il pas arrivé et ouais nécessité pour dire que il a changé ou bien il a pas mandé constitution, mais il a fait réforme la donne. Donc pouvoir Jovenel Moïse là décider mettre yon conseil consultatif qui travaille son avant-projet constitution que vous mettez mois de juin, fin mois de juin ça pour yo et river fond référendum. Mais tout le problème est là, puisque en pile monde estimé que pays a divisé
tellement que pouvoir qu'il a, papa a lui-même seul font référendum. Maintenant, qui j'en ça a marché, qui j'en au travail sous plan politique pour permettre que faisabilité référendum nan, comme si tout le monde capable constater. Donc c'est ça, nous pouvons regarder après-midi avec ministre délégué, ministre conseiller et pour question élection avec référendum. Donc Mathias Pierre, Jean Capane se dit tout à l'heure, c'est invité émission Haïti Débat. Donc c'est ministre pouvoir, il va essayer échanger avec nous pour dire nous dans quel niveau le travail techniquement ça a fait, mais ouais, politiquement on peut poser, on mettre accent sur politiquement puisque je dis si on cherche un accord, si on cherche un consensus, c'est que je trouve que c'est nécessaire pour gagner, pour nous capables d'un référendum, parce que moi gagner et des gens qui déjà dit que son référendum cap biaisé. Si toutefois pas gagné un consensus politique qui joigne pour le référendum dans l'idée. Donc, invitez-nous, c'est Mathias Pierre. Nabdil, bonsoir. Nous avons parlé sur les réseaux sociaux. Monsieur dit donc, faut sourire. L'on sourit ou attirer des ondes positives autour de vous. Donc, Mathias, le sourire qui est avec nous après-midi dans l'émission Haïti Débat. Mathias, comment vous? Bon, observez-nous et son plaisir, comme d'habitude. Plateau ça pour une chute à Zouli, pour nous parler, pour nous causer. Mm-hmm. Et certainement, saluer tout auditeur, auditrice et téléspectateur, téléspectatrice, internaute qui va attendre des conversations ça. Et alors, comme il y a des gens qui parlent, ils vont ouvrir deux bras, mais ils m'ont pris. Mm-hmm. Mais pourquoi ça m'a pris? C'est parce que y a deux petits événements passés entre vendredi ou jeudi, je vais songer. Mm-hmm. C'est que tout le monde commence à rire, c'est que mourir. Alors, ça fait deuxième fois, il dit qu'il est mort. Donc, là, tout mourir, pour moi, c'est bénédiction. Il y a pile bénédiction pour moi. Dans des points, 25 balles, l'hôpital, pas qu'il y a 10 000 après les deux de tous côtés. Et puis, comme je m'étais caché la caméra, c'est au moins oui. Et puis, il me dit, bon, puis, tu me montres ma prière, je me souviens. Ça va continuer, c'est parce que peut-être que il y a des gens qui ont écrit l'eau et qui dit, Mathias, si on dit mourir, est-ce que mourir? Non, ça arrivait. Ou bien, il y a des gens qui ont dit, ah, mais les on commence à rire comme ça. Et en fait, ça a commencé la veille au 23 avril qui c'est anniversaire. Donc, je me dis, bon, regardez, je me compte virer. Donc, mon billet sourit, mon billet oui. Et puis, même parce que sérieusement, l'or oui, et il y a des ondes positives qu'on a tiré. La figure frustrée ou toujours sans tout pas bien. C'est vrai que le pays a un problème, c'est pour le pays a une difficulté, mais le jour que nous cessons. Pour nous quitter contentement entrer dans le cœur nous et me penser que et nous perdu en pile et c'est ça que fait m'a continuer oui m'a continuer faire travail moi et y a un petit bail à côté c'est à l'heure c'est son ministre pouvoir ou le ministre pays voilà son gros débat même parce que de préférence en plus son ministre pays parce que moi là pour accompagner et président Jovenel Moïse certainement et premier ministre et joute que moi son ministre délégué n'a fait un travail que moi estimé qui est important dans une période extrêmement difficile qui c'est question et référendum avec élection et pour moi c'est beaucoup plus un ministre PIA rendre PIA en service dans la dimension que je suis capable avec tout ça que je gagne avec toute honnêteté toute franchise que je gagne d'homme que un ministre pouvoir et de préférence non nous le premier ministre là, et ces derniers temps monsieur vraiment fait profil bas. Et est-ce que question référendum nan, qui c'est un trois grands chantiers président a annoncé et dans discours li et quoi était 1er janvier trois grands chantiers monsieur gagne monsieur référendum élection et puis courant électrique c'est ça et trois gros chantiers monsieur gagne monsieur dit premier ministre là anti Jean Cazouel ces derniers temps moi monsieur fait profil bas ça passé est-ce que monsieur quitté chantier ça nan mon par exemple qui c'est ministre élection ou bien qui ça passé on s'est dit problème du job non pas affirmatif et pour définition OK yon ministre délégué dans thème là son ministre qui doit ou bien déléguer auprès d'un premier ministre, ou bien déléguer auprès d'un autre ministre, qui par ordonnateur, mais qui sont techniciens et auprès pour faire un job spécifique en don gouvernement. Oui. Donc ça veut dire que son job qui vient pour faire, et que le premier ministre l'a estimé par rapport à toute charge qu'il gagne, de déléguer en partie en responsabilité, li, ton job pas là, bah moins,
pour me faire travail ça. Donc pour moi et m'pas qu'à commenter parce que le premier ministre était pas en conférence et il était pas en conférence mercredi donc m'pas qu'à attendre. Donc je dis ça, vous êtes de manière élégante, pour moi même trouver le temps normal. Anormal là c'est si PM était toujours devant et puis finalement pas de Mathias du tout parce que travail que Mathias a fait hein, premier ministre va obligé faire la place li. Avant Mathias premier ministre a doit toujours question élection référendum tape devant mais je dis là s'il va faire bac c'est à une faute grave parce que population t'a dit à pas premier ministre bon Mathias il va même quitter monsieur par les pièces coupées pour moi même peut-être pas normal bon et pas parce que me dit pas normal non sauf que nous avons des problèmes que nous confrontons et expérience par avec lui, c'est une expérience qui est assez intéressante, bien que nous t'ai rencontré déjà dans de l'autre cadre comme ingénieur. Et je pense que il est toujours patient, l'homme de rencontre pour chita avec pour garder problème ou présenter lui ou analyser par rapport à ce qu'on est et lui même pour dire écouter ou apprendre mon bagage de là ou apprendre mon bagage qui est différent et puis comment pour avancer puis devant. Je pense que c'est ce type de collaboration ça que moi et avec le premier ministre là et certainement avec le président qui toujours à l'écoute. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a dit que je vous dis, le président dit qu'il y a trois chantiers. Effectivement, il y a trois chantiers. Ça veut dire que c'est difficile pour le président lui vont côté pour la parler de questions qui sont fondamentales. Qu'on va voir, il y a invité moi là parce que l'élection est un élément qui est important pour lui. Référendum dans son élément qui est important pour lui parce que lui croit que jodi an li bon mandat k'ap fini et mandat ça quoi le fini an ou pas qu'à la gpa na choubom ça veut dire que faut joindre en façon pour permettre que élection faite pour que peuple là li bail de l'autre monde mandat qui pour continuer diriger pays. Donc on croit que honnêtement et au niveau du gouvernement et ni l'autre ministre collègue femme kankou garçon qui dans gouvernement on pensait que jusqu'à présent collaboration yo très bon par rapport au travail que n'a fait. Bon, nous va faire balan en Jean campagne. N'a pas essayer aussi de aborder le pas thématique. OK. N'a pas nous pas regarder sous plan technique d'abord. Faisabilité référendum là, sous plan technique, nous pas regarder ça avant Mathias Pierre parce que au ministre délégué toute information me penser sur qu'on gagne yo, donc nous pas laisser mandat. Nous regarder sous plan technique. À moins de 90 jours de 27 juin que nous retenons pour nous faire référendum là. Donc, on a rappelé que tu as fait depuis le mois d'avril, il était reporté. Maintenant, qui côté nous y est dans le préparatif sur le plan technique, dans la logistique pour réalisation? C'est sûr que son élection, référendum, c'est une élection de tout. Sauf que nous ne parlons pas de barre ou de barre, non, mais son élection. À quel niveau nous y est dans le préparatif pour le référendum? Alors, pour le cas de job là, il y aurait le ministre élection, mais en réalité, job moins que vous avez défini dans le document que vous avez remis le président. Ni premier ministre de compréhension pam moi son facilitateur parce que en fait élection responsabilité c'est le CEP qui gagne ça veut dire c'est organe indépendant qui là selon constitution pays a qui pour organiser tout type d'élection qui gagne dans pays donc ça faut une clé sous lui ça veut dire organe qui a organisé a c'est élection c'est CEP mais dans responsabilité moi son facilitateur. Ça veut dire que en deux gouvernement que comme dit le ministre délégué a gien pour la regarder tout côté que bagaille ta ka bloqué ou gien des avancées qui pour faire et mais li gien pour la regarder en deux gouvernement côté compétencieux côté moun yoyé qui gien pour le faire si bon bagaille qui pour débloquer comment pour débloquer que ce soit l'argent ou des bagailles qui gien rapport technique parce que deux opérations ça yo faut que CEP a fait yo en étroite collaboration avec gouvernement par exemple sous prend et question parti politique. Selon loi sous parti politique là, c'est le ministère de la justice qui gagne chapeau ça. Ça veut dire que faut que constamment CEPA li interagit. Donc moi même gagne pour parler avec ministre justice là qui pour faciliter ça pour faire là en fait. Au niveau code d'identification nationale, c'est en direction, c'est ONI,
mais ONI retrouvé encore en dans le ministère de la Justice. Donc c'est facilité parce que c'est ONI qui pour faire CATIO et c'est lui qui pourra transférer base de données qui pour bail CEPA qui pourra constituer liste électorale là, ça ou encore le registre électoral qui pourra permettre de faire liste électorale. Donc ça veut dire que bon étroite collaboration entre gouvernement et CEPA qui vous permettre CEPA faire élection. Maintenant côté CEPA hier aujourd'hui techniquement et gagné et certainement une date qui était renvoyée, il était renvoyé parce que différentes raisons. Tu as senti que gon besoin pour que gagne débat sur question constitution, pour que gagne sensibilisation, que moun yo imprégné de texte là, que moun yo comprenne texte là, que moun yo saisi texte là. Ce que nous senti qui commence à faire, eh ben il était de grande nécessité pour nous reculer. Mais il y a des raisons techniques tout. Pour ça, parce que CEP depuis 2006 fait élection avec support et technique et logistique des instances internationales. Et pas oublier que CEPA, l'op gadel, il y a une structure permanente centrale qui c'est personnel qui dans CEP, des monde qui l'a depuis 15-20 ans qui a fait élection dans le pays. C'est la structure permanente standard du CEP et puis ou gain le conseil électoral provisoire qui lui-même qui pas jamais permanent mais qui provisoire mais qui toujours vini sous tête en structure permanente donc qui gon tradition qui gain des compétences pour faire question élection. So l'autre élément ça yo yo pral adjoindre yo chaque l'on pral faire élection et de tout ton personnel qui réparti à travers pays en un bureau communal, bureau départemental, ça les bec, bed, etc. pour mobiliser personnel, pour mobiliser ressources, pour mobiliser local, qui pour permettre que élection faite. Tout bagage ça y est rentré en donc calendrier électoral. À vous dire que ma parole là, calendrier électoral a avancé très bien. En janvier, nous rappeler, t'as gain un accord qui signe avec NUD. Voilà quoi ça, c'était permettre que support technique et logistique yo yo bail CEPA. Mais c'était tout permettre mobiliser fonds parce que il y a des bagages que nous pas fait ici par exemple que faut commander etc. faut qu'il y ait des structures internationales qui aident au faire donc au besoin genre de support ça même genre tout depuis 2006 quoi ou bien 2015 il y a ça relo en structure de ça relo en fonds fiduciaire ça relo basket fund qui met en place côté que Haïti contribue la donne, moun nan blanc aussi a bay kop pour faire élection, et bien yon contribue nan fond ça, CEPA autorise des caissements yon ensemble avec reste partenaires internationaux. Donc structure ça a li met en place, accord a signé, gouvernement haïtien décaissé premier 20 millions de dollars, gen y matériel, ça ou le matériel non sensible, n'a parlé de urne, isoloir, et feut, et marqueur, des bay comme ça, qui pour permettre faire élection. Hein. Yo commandé bagage ça yo quoi d'ici peut-être mi-avril bagage ça va commencer à entrer en Haïti et ou gen des matériels sensibles comme coup bulletin et autres qui va gagner pour commander qui va gagner tout pour entrer en Haïti donc tout élément ça yo bon calendrier électoral qui clair et bagage ça yo yo pral commencer une fois yo entré yo pral stocker yo ensuite pral transformer sous forme de kit et en semaine avant élection ou pral gon gros opération logistique qui va commencer opération logistique ça c'est pour voyer yo dans à peu près 1700 bureaux capable peut-être bien plus de variations dans élection ça mais dans ancienne élection en 2015-2016 tu gagne 1700 centres de vote et tu gagne à peu près 11800 et quelques bureaux de vote donc ça veut dire que la veille des élections faut dispatch tout bagage ça yo en dans bureau de vote yo pour que vote la fête yo compte yo pour servir bal fête et puis yo rapatrier yo pour et de l'autre élection donc bagage ça yo en cours gagne un fonds tout qui décaissé qui pour permettre CEPA faire un travail interne et pali ça veut dire que faut louer bureau faut que payer personnel bien concours qui fait pour engager moun dans tout et bureau yo trois moun par bureau bed ou bec ou gagne concours ça yo fait yo complété et gagne à peu près 477 moun qui engagé passer CEPA dans tout bureau gagne commencer prêter serment ensuite installation yo commencer fait ensuite bien formation qui pour faire pour tout le monde tout bagaille ça yo en cours et qui pour permettre nous dit aujourd'hui selon calendrier électoral là nous avons avancé on y interconnecté déjà avec CEPA gain à peu près aujourd'hui 4.3 millions et monde qui enregistré donc qui gain code ça veut dire c'est base données et monde qui gain code d'identification nationale dans 4.3 millions aujourd'hui m'a parlé. Donc sous combien nous doit enregistrer?
Bon, je vais arriver sur question, ça va sur question technique. Il y a 3 millions, il est passé à 4,3 millions. Non, non, il est graduellement monté. Je vais rapporter ça tous les 3 jours. J'avais toujours dit aller à 4,3 millions. Maintenant, CEPA a accès avec données pour commencer à travailler sur eux, pour constituer le registre électoral. Qui y a un débat sur qui est la registre là à fermer. Ça veut dire à quel moment que nous ne sommes pas capables, nous travaillons avec CEPA pour nous, est-ce que c'est dans 30 jours, est-ce que c'est dans 45 jours, pour que le registre là ferme. Côté monde qui fait 4 après période ça, ils ne sont pas capables de voter dans l'élection, mais tout le monde qui fait 4 avant, capable de voter dans l'élection, c'est bailler le plus de temps possible pour que le plus de monde enregistré pour être capable de voter dans l'élection. Alors, si je ne me trompe pas, c'est fin 2020, nous étions déjà à avoisiner 3 millions. Maintenant, si nous, dans le mois d'avril, nous avons passé à 4,3 millions, parce que pas de problème. Nous de le, à 7 millions. De l'homme qui vient là, de l'homme qui a commencé sous 2 mois, nous avons gagné des fonds d'estimation dans 22 jours qui sont passés là. Et en 22 jours, nous étions à peu près à 160 000 personnes qui enregistrés. Et rappelez l'effort qu'a fait pour encourager le plus de monde qui enregistré. Je vous dis, il y a des bureaux qui ouvrent dans Saint-Domingue, dans à peu près 5 missions consulaires et Santo Domingo, République Dominicaine, et gagnent et à peu près 7 missions consulaires. C'est la vraie connexion aux États-Unis. Parce que là, j'ai l'impression que nous avons fait un exploit extraordinaire, dans le sens que environ 1 million de monde qui t'a enregistré dans 3 à 4 mois. Non, parce que gagnent des décisions qui prennent. Parce que jusqu'à janvier, tu as une question de est-ce que j'ai besoin de 4 là. C'est prendre des décisions qui prennent côté, il faut faire passeport, il faut gagner 4. Pour régler dans la finance, il faut gagner 4. Pour toute activité qu'on a besoin de faire dans la banque, qui a un circulaire BRH qui est sorti, qui vient pousser beaucoup plus de monde, qui vient sentir qu'il y a besoin de 4 là. Donc, il faut faire 4 et certainement à chercher 4 pour qu'on soit capable de gagner 4 pour qu'on soit capable de fonctionner. Puisque depuis, mi-octobre, 4 d'identification nationale là, ils sont 4 qui sont obligatoires qu'on doit gagner comme haïtien et lui-même, il gagne un numéro d'identification unique sous lui, okay, qui permet que tout ça a fait dans le pays qu'on gagne 4 d'identification. Ça. Donc, et sous question, combien de monde qui gagne? Moi, je vais répondre à une question ça sous format ça. Dernier recensement que tu as gagné en Haïti, il était fait en 2003. Parce que c'est seul un recensement cadeau, mais qui quantité de monde qui est en âge de voter dans le pays. Ça veut dire que monde qui gagne 18 ans et plus. Bon recensement en cours dans l'IHSI, et qui commence en 2020, il est beaucoup complété. Donc, il est difficile pour dire qui quantité de monde qui est en âge de voter, qui vaut d'abord, mais quantité de monde qui doit voter en Haïti. Par contre, dans l'ancienne carte là, tu as gagné des chiffres qui étaient avoisinés de 6,5 millions. Évidemment. Et de monde qui t'a gagné. Maintenant, qui ça gagné dans l'ancienne carte là? Où t'es gagné à peu près 2,8 millions de monde en dans 6,5 millions qui pas gagné acte de naissance. Ou pas dire pour qui ça acte de naissance là important. Différence entre ancienne carte là et nouvelle carte là, dans l'ancienne carte là, m'te kap paraître Mathias Pierre, m'paraître dans le bureau, yo prend photo avec deux témoins qui dit c'est Mathias Pierre, yo ban mon carte. Donc Mathias Pierre. Demain matin, m'paraître dans l'autre bureau avec deux autres témoins, m'dit c'est Jean-Pierre, Eli. Si ou pas jeune carte ça, yo fait photo, yo ban mon carte. Tandis que nouvelle carte ça, et moi rappeler tout le monde que compagnie qui derrière carte ça, c'est la compagnie Dermalog. Dermalog qui sont compagnie allemand et allemand yo tout le monde connaît, yo très fort dans question bagaille ça. Yo. Ça veut dire que carte là, li gagnent plusieurs informations biométriques qui identifient ou même qui viennent faire qu'on pas capable multiplier pour gagner plusieurs codes. Ça veut dire que il y a empreinte là-dedans, il y a facial ou et information biométrique ça yo pratiquement unique. Ensuite, pour yo faire code là pour, faut qu'on gagne ou bien acte de naissance ou bien extrait d'archives ou bien acte de baptême. Donc trois documents ça yo c'est eux qui dit que c'est moi. Et à partir de ça, il prend toute information biométrique point vin unique. C'est ça fait qu'on pas qu'il débat moun gab dit que gen moun gab dit que gen 2 4 et cetera, on moun gen la même gen même 15 4. Bon, quand petite déviation parce que non, parce que il pas possible pour exister deux fois. Ou gen un numéro d'identification unique qui en bas sous 4 là, sous main droite en bas, regardez ou après un numéro d'identification unique. Tandis que bon numéro en l'air que moun yap si ta parlé, son numéro d'archive lié. Si je dis à me paraît me dit me perdu 4 mois mal non bureau me vient avec une déclaration la police etc., yo refont l'autre 4 points numéro en l'air a changé mais numéro d'identification unique là il était même parce que yo pas refait photo encore yo pas reprend empreinte moi parce que système là a dit que m'existait déjà
Donc, qui fait que, regardez sur tout internet là, regardez dans tout le monde qui a dit qu'il y a plusieurs cartes, on voit un numéro en haut qui change, son numéro de l'archive, c'est comme si on fait une transaction bancaire, une transaction bon numéro, mais numéro en bas, regardez bien, parce que je fais un tweet sur ça, sur plusieurs monde qui dit ça, on voit un numéro en bas, il était même numéro A, et c'est lui-même qui est numéro d'identification unique. On va le vérifier, c'est un numéro qui vient de. On va vérifier en bas, en bas, on voit un numéro même. Et c'est quand vous prenez un monde qui est aux États-Unis, qui a un numéro social security number. Ça veut dire que le numéro social, il était unique. Ça veut dire que, vous avez apparaître ou dire, vous perdez 4 là, ok? Et ça qui arrive, vous faites une déclaration à la police, vous perdez 4 là, ou bien pour une raison ou l'autre, 4 ou tu es allé dans la distribution là, aller dans l'autre côté, vous imprimez l'autre 4 pour vous, ou vous rejoignez 2 4 ou vous avez 2 numéros. Archive là, le numéro, numéro de transaction, si vous avez expliqué comme ça, mais numéro d'identification et unique pour Green Card. En d'autres termes, pas de quel moyen qu'on a voté plusieurs fois, parce que de vous voter, système électoral là, pour le considérer numéro d'identification unique là, ça veut dire pour voter, pas pour vous voter encore, ça bloquer votre là. Donc c'est pour tout le monde qui a fait information ça. Donc ça veut dire que monde qui gagne 3-4. Parce que gen moun ki vle gen plusieurs 4 moun nan juste dit 4 li perdu. Et 4 li perdu. Alors quand je dis 4 li perdu, yo ballon là. Ancienne 4 là, ça pas exister parce qu'on ka gen plusieurs. Mais si vous regardez dans 4 là, ouais là, mon numéro sont en haut. OK? On mettez les lunettes là. Ouais, soit en haut là. Ouais, mon numéro qui commence par H tel bagage etc. Mais sous en bas. OK, mon numéro là, c'est numéro d'identification unique là. Ça me prend engagement, me dit, me vérifie, mais comme informaticien mon ça m'a dit, c'est quand vous arrivez la banque, yo créez un compte en banque pour. Chaque fois la transaction, un numéro de transaction, on va foutu gain deux numéros de compte sous même ou même là, ça veut dire que il pas ou pas qu'à multiplier et information ça. Donc c'est pour juste pour me cap bail mon information. Maintenant, sous point ça, je voulais dire c'est que jodi hein ou a enregistré moun ou ka enregistré moun puis ce système là capable produire à peu près 56 000 cartes par jour qui ka imprimé en termes de capacité de production. Jusqu'à présent ou gagne à peu près 15 000 moun par jour qui présenté pour faire carte. Gouvernement prend tout un ensemble de dispositions pour qui permettre moun yo gagne carte. Par exemple, un moun qui pas de gagne acte de naissance, mais ou bien 2.8 millions pas de gagne carte, yo archive nationale et travaille avec, en fait, ministère de la justice travaille avec clerc yo, gen des clerc yo mandaté pour ça, yo travaille avec et prestationnel côté que yo gen à peu près 3 millions d'actes de naissance qui produit et acte de naissance ça yo, tout le monde qui dans section communale yo bon clerc connier ou capable à faire acte de naissance ou pour à faire carte. Aujourd'hui, on croit gen à peu près 600 à 700 000 moun qui gen temps retiré acte de naissance yo, donc qui pour permettre yo fait carte d'identification. Donc c'est pour me dire que jodien nous a assuré du point de vue technique que élection tout élément yo respecté qui pour permettre élection en fait côté que problème technique yo pas posé. Maintenant qu'on y a c'est comment adresser problème politique yo. Donc avant arriver là pour permettre avancer. Avant arriver là sur le président, maintenant problème politique, maintenant problème technique. Étant donné que pendant on a parlé là des négociations qui a fait et la grande majorité des acteurs soit qui a défendu le pouvoir ou bien qui est en opposition en pile on dit sans un minimum de consensus référendum pas possible, élection pas possible, donc rien n'est possible dans ce pays. Maintenant qu'on y est, on a parlé de CEP, conseil électoral provisoire, on va retourner sur question qui était déjà contestée. Maintenant sur le plan technique, gain de cob qui débloqué pour gain de bureau qui loué, gain de travail qui a fait à l'interne. Et si un minimum de consensus politique ça, les partis politiques, les forces vives, la société civile, les organisations de base, entendent-nous pour changer ces pays. Bon, et ça va passer. Bon, même cadeau que si vous permettez, et m'a ministre négociation. D'accord. Donc comme m'a ministre négociation, m'ta dou yon bagay. C'est que le président li dit bras ouvert, li croit que dialogue important, li croit que faut gon accord qui sorti en dans société. M'pa même dit accord politique, son accord
entre forces vives en la nation qui vous permettent nous avancer et président est ouvert à ça. Maintenant, éléments qui pour gagner accord, comment accord pour avancer, ça sont l'autre question. Maintenant, je ne vais pas le prononcer sous parce que là, je fais un job technique. Je suis un technicien. Vous comprenez? Et moi, je suis politique, tout le monde parle de politique, même son technicien. Politicien. Maintenant, je ne fais un job technique, pas un problème, mais politicien. Maintenant, je quitte à président avec l'équipe PM là qui travaille sous comment je vais encore pour venir encore. Certainement, et nous connaissons, à titre d'information, que religion pour la paix internationale, tu recevoir invitation pour être capable de comparer dans le dialogue et apparemment religion internationale avec religion pour la paix internationale avec religion pour la paix au niveau local en dedans des dynamiques même pas gain détail sur ça qui a passé sur comment la fête on va chercher connaître tout pour ça parce que on va pas focus sur on va monter plusieurs chevaux en même temps moi même c'est assurer que processus là est en place pour que référendum en fait pour que élection faite parce que aujourd'hui elles sont priorité et assurer pour le fait pour que l'élection yo transparent yo honnête yo démocratique et qu'effectivement gen yon question moi-même qui embarrasse et qui dérange chaque l'homme imaginé 22 le 7 février 2022 le mandat du président Jovenel Moïse arrive à terme si on n'a pas des élus que population ba mandat pour diriger m'gétait imaginer dans qui désordre pays ça après l'entrée parce que pas gagné ken ça me dit provision constitutionnelle pour que bon président ça veut dire que en 2015-2016 t'es bon parlement t'es bon assemblée nationale constitution des bail c'est un bel qui peut élire un président donc c'est comme ça privé arrivé président dans toute année avant yo t'es gagné ont des solutions qui sortit de la cour de cassation dans toute l'autre transition fois ça c'est première fois en 34 ans de constitution 1987 là nous pourrions tomber dans une situation côté que il n'y a pas de provision constitutionnelle donc on imagine goumé gen dans la rue et on imagine paysan 7 février 2022 et puis pas gon nèg on femme que constitution dit mais comment il pourrait arriver dans Valère et puis on comprend parce que déjà Valère a fait à peu près 7 jours il était sans monde entre en 2016 oui, du 7 au 14 du 7 au 14 on matin il a gagné clair en bas contre là et ça me demande il a gagné clair et puis il prend 7 jours OK pour nous joindre qui formule mais c'était première fois t'as fait pour tes bon élection que t'es faite etc. et noté ouais donc on nous imagine ça donne cap pour une cap qui t'as bon c'est qui n'est cap pour clair alors pour l'histoire comme moi même dit l'histoire en pile dernière fois me connais ça dérivé plus ou moins c'est 1956-57 OK dans période 56-57 les Magloire aller et dans petit bout de temps ça me connais dépassé à peu près 4 présidents avant que élection François Duvalier était faite on bon donc faut dire en imaginer on bon et c'est dans période ça pour monde qui compte dans parler de Fignolé était prend peuple à l'entrée dans Valère ils font moi Ridel et puis peuple à aller les rouleaux les ça et puis on manger peuple à tout ça un pire coup de zame alors ça c'est qui veut pouvoir donc on sous terre sous base ça moi pensais que élection vignon obligation et comme pour nous arriver à élection gagnons étape fondamentale qui c'est constitution que nous ca parler de là pour qui ça moi même moi croire que je dis hein, faut que nous gagne une nouvelle constitution et comment pour nous passer de étape référendum là pour nous arriver dans l'élection et certainement gagner des monde qui mandaté par peuple là pour diriger maintenant avant m'a fonti rebondi puisque pas trop fort dans imaginer on va garder une réalité moi là quand vivini parce que sinon projet va venir de projet miraculeux de bah comme si m'dadou Jésus fait trois petits poissons pour prendre bah, un paquet de manger dans la mesure où il y a une entente qui joint un consensus et puis mon Dieu dit bon pas de problème nous on a fait élection nous d'accord gagne élection en fait les partis politiques ils disent nous d'accord gagne élection nous d'accord tout président Jovenel Moïse arrive 7 février pour nous organiser élection cependant comme c'est un pays qui est là qui a un petit problème yo contesté kounya yo ta recommencé avec CEP 1 et puis yo dit n'a craser CEP 1 n'a metté l'autre monde qui donc dit craser CEP gon ensemble de départements
recrutement qui fait formation pour ensemble de membres BEC, etc. BED, tout ça. Maintenant, Kounia, c'est à recommencer. Deuxièmement, yo dit attention. C'est petit cabo. Mm-hmm. M'te dit tout à l'heure, pour moi, CEP a gagné deux entités là-dedans. Okay. Il y a le CEP permanent. Ça veut dire que c'est structure qui a fait élection, mm-hmm. qui l'a. Mm-hmm. C'est le personnel technique. Il n'y a rien à voir avec la politique, n'a pas de là. Okay. Et il y a le personnel le administratif, CEP, ça veut dire que les membres du conseil. Parce que faut nous séparer là. Ok, donc là, on n'a pas moins des membres du conseil. Et pour moi, si nous sommes en 2015-2016, par rapport à la même réflexion qu'on va faire, 2015-2016, les bureaux électoraux, on avait des techniciens oui, qui recevaient des formations, et soit à travers des mondes locaux, soit à travers des étrangers, qui viennent faire un travail technique. C'est, ça veut dire que c'est comme si on dit, ou changer président, et vous pas tout le monde dans l'État. Non, pas l'État. C'est, okay. C'est, continue pour après, donc, c'est juste pour me dire que le processus en cours, bagaille technique qui pour faire élection, moi je pense que il n'y a pas d'acte partisan, et c'est ça que fait, ou gagner en sorte de support technique, gagne on des organes internationaux qui ont un support technique, qui ont un support et assistance logistique qui pour permettre ou faire dans les normes, tu vois. Donc ça veut dire que on tape séparé, on tape faire réflexion aussi radicale. Maintenant il y a un accord politique que comme dit un accord politique ou encore un accord avec les forces vives de la nation sont accord. Ça veut dire que chaque fois qu'on arrive dans des situations qui a des problèmes en un pays, hein, mais parce que une fois que un accord que tout acteur au chita y mette entendre sous des bagages, eh bien, nous-mêmes, en tant que monde raisonnable, ça veut dire que nous avons un accord qui dit, écoute, et job ça, et pas Mathias qui a fait encore, gouvernement venu, et pas Mathias qui a fait, Mathias petit malette, il a la gagné. Ah ok, c'est la bonne idée. Bah bon Dieu. C'est la bonne idée. Parce que ça veut dire que depuis à quoi sont venus, moi-même, ma bonne petit malette, moi, je dis que son autre profil, oui, mais qui risque. Job ça. Alors maintenant, c'est l'âme de vérifier. Mais ça va veut dire que le travail que nous faisons, qui sont travail technique, moun qui prend le prendre là pas continuer pour le faire travailler oui, pour mener la bonne quoi. Il y a des conséquences dans la mesure où tu as un changement de gouvernement et donc un ensemble de monde quand dans pouvoir tout qui peut-être a participé dans question technique yo. Qui conséquence ça a gagné? Par exemple le référendum mois juin, élection par contre qui l'heure, enfin selon pouvoir, qui conséquence ça a gagné dans la mesure où accord ça qui joint dans fonta censé retirer on ensemble de nous changer gouvernement, changer CEP, qui conséquence ça bon, a moi même quand je dis un pour pouvoir en fait. Moi quand je dis un grand bagage c'est que et interaction avec CEP était en bas très en l'air. Ça veut dire que bagage technique qui passe dans CEP et il pas intéressé, c'est pas métier, c'est pas job moi. Okay. Ça veut dire que c'est guide général yo. OK? Par exemple, il y a une droit des décisions qui très général. Ça veut dire que et nous-mêmes au niveau gouvernement, nous t'as qu'à souhaiter que y ait plus de temps qui baille pour qu'il y ait plus de monde qui enregistre. Parce que nous avons besoin de plus de monde, des chanceux pour voter, pour pas dire nous exclut de monde pour pas voter. Donc ça a qu'à faire par exemple au niveau CEPA, nous avons le tarémé, fermé registre électoral là. Et puis nous-mêmes, nous dit baille plus de temps capable de permettre qu'il y ait plus de monde qui gagne chanceux pour que la démocratie a fleuri. Et puis nous demandons autant. Donc une discussion qui doit faire. Et puis nous mettons nous d'accord. À partir de consensus que techniquement c'est ça possible. Ça veut dire que pour moi c'est type d'interaction ça que pouvoir gagner et ou pas supposé rentrer dans des détails. Par exemple, comme un parti politique qui relève qui dit moi ça ah gagne quel monde yo mettez dans bête tel côté bec tel côté etc. J'ai reçu une liste de la présidente du CEP après que concours vienne fait qui dit même monde qui sorti dans concours, on prend on voit le baou. L'autre il m'encore dit ah Mathias gros problème que magou qui fait etc. Me dit qui magou qui gagne. Oh, c'est pas moun qui finit premier, moi le président de CEP me dit quels sont les critères qui te baillent pour concours. Il dit par exemple, critères qui te baillent pour concours, il te saute une note bien avant qui dit tout le monde qui participe dans le concours. Il y a prend trois mouns. Moun qui fait plus gros note là, il y a prend. Ensuite, il y a prend un ancien moun qui était là, c'est pour pas recommencer toute formation. Donc, dans chaque bureau, il va laisser dans la mesure du possible pour prendre un ancien moun qui était là pour pas recevoir toute formation. Ensuite, bon critère qui dit, il y a prévu fille quand même dans chaque bureau. Donc, quel que soit liste monde qui te gagne, fille qui fait plus gros note là, il y a prévu. Donc, qui vient faire que moi-même, en tant que leader politique, je vais aller vérifier dans la commune, est-ce que c'est critère ça qui est respecté.
Et puis fini, job est fini. Ça veut dire que me servi d'un facilitateur, président de Bamwell, me transmettre les baou. Maintenant, si son concours fait sous critères ça, qui prend mon yo, qui fait par équipe technique CEPA, demain matin, il pas gain on nécessité pour échanger tout le monde ça, non? Donc personnel, ça a continué à faire élection. Et c'est toujours méthodologie ça qui est utilisé dans le cadre. Élection qu'a fait depuis quelques temps dans le pays. Donc depuis le processus a démarré, donc go ensemble de bagaille au fin fête, même le t'a venu changer 9 membres si bien comprendre. Donc il pas pour retourner sur ensemble de bagaille qui déjà fait pour processus électoral. Maintenant dis-nous dans Mathias Pierre est-ce que nous pas craignons qu'il y ait des problèmes qui viennent arriver à partir de pas de 4 tout à l'heure. Donc, pour t'expliquer, il y a l'autre monde qui m'a explication en tout. Je suis parlé avec le directeur ONIA, il y a une explication ça en tout. Et que pas une possibilité pour un monde, et comme si voter deux fois. Parce que toutes les dit monde qui ont deux ou trois, quatre là, c'est vrai ou vrai éviter que le monde vote deux ou trois fois, ou bien, son gens pour montrer que quatre là, pas crédible. Donc, acheter caca toujours voler l'élection puisque vous avez fait 3 4 4 4 5 4 etc. Donc vous se dit que à partir des données biométriques même les 4 là d'avoir plusieurs numéros mais numéro d'identification unique là il était même et depuis mon fin voter le reste même elle dégage 5 4 10 4 dans même encore il va pas voter avec vous et ça vous dit c'est exactement ça lié parce que le numéro unique là c'est lui même qui va le servir de une fois voté et ben système supposé capable ou pas capable ou voter encore certainement et c'est ça qui fait par exemple directeur Onia qui a expliqué ça tout et dans tout système il y a des failles par exemple moi madame moi mon iPhone il tellement semblé tête coupée avec premier petite film et premier petite film il prend iPhone madame moi met dans figure les nouvelles mais comme il est jeune mais maman va pas ouvrir par là c'est maman figure ça veut dire que au ben au niveau ONI on gagne ce base de données a conçu c'est si bon type de erreur comme ça qui existait selon sa directeur Adim il y a à peu près 100 000 monde et qui gagne des problèmes comme ça par exemple des monde qui jumeau identique des bails comme ça et ben des qui générer un conflit quatre monde ça pas imprimé immédiatement bon investigation qui pour faire avant que ONI capable ressortir 4 pour moun sa pour vérifier que pa gen on double ça veut dire que on même moun que le papa a généré deux numéros d'identité et d'identification unique pour donc pour moi au niveau fiabilité système moi pense que système là fiable CEPA qu'on est après prendre toute disposition pâle pour qu'il permette non moun voter qu'on pas capable revoter encore puisque non parce que si vous gagne plusieurs numéros d'identification unique non qu'apparaît sous plusieurs listes électorales mais sous pas qu'à gagner ça veut dire qu'on peut pas voter plusieurs fois non pas qu'apparaît sous plusieurs seul côté non pas son seul côté et me penser mais des dispositions pour le prendre ça veut dire que ou toujours pas gagner des monde qui pourra laisser tenter gagner plusieurs cartes qui pourra laisser tenter voter plus fois et même des dispositions qui pour prendre pour arrêter c'est tout mais à partir de ça semble qu'on volet électronique dans vote là tout et je vais vous expliquer à partir le fait qu'il y a des données biométriques etc c'est qu'on sait des appareils assurément sophistiqués par contre téléphonie à pied ou bien quoi que ce soit qui est disponible le jour du vote non que je sache pas quoi que nous arrivons dans phase et n'a bien temps arrivé à s'en aller vote électronique non alors la malheur c'est dans la liste électronique non le vote en général pour une capitale voter ils ont cherché non liste et puis non imprimé. Sous bien plusieurs numéros d'identification unique, ça veut dire non qu'apparaître sous plusieurs listes et peut-être dans plusieurs bureaux. OK? Par exemple, sous fait plusieurs cartes, c'est ça qui a passé. Mais dans cas ça, possibilité ça va exister ou pas qu'apparaître sous plusieurs listes donc ou pas qu'exister plusieurs fois dans plusieurs listes électorales. Alors ça permet. Mais c'est pas vote électronique. OK. C'est pas vote électronique. Seul parti qui électronique. Donc pas de contrôle, pas un contrôle ça quoi le fait de nous pas arriver dans vote électronique, là, seul parti qui électronique. Et on est capable de dire, c'est le procès verbal là fin fait dans un bureau, mon bureau est signé procès verbal là, il fait photo et procès verbal là, il est capable de réfléchir sur ce parti ça, photo a son base de données, de sorte que si procès verbal original là t'as perdu, on connaît que copia là, etc. Donc on est capable de toujours concilier tout, copia avec original là, des bails qui étaient là déjà depuis 2015. Mais c'est extrêmement.
Mais pour l'important de la campagne, sous ça, ministre Abdi là, bon, tout pose aux questions. Gide moun qui relèm, qui expliquèm, dans ces deux zones, que gen des autorités qui menaient ou al fait 4, qui kembe 4 yo. Bon, information ça m'pa gen, et m'pa pour qui ça, jou di an, et yon moun ta kite, yon servi à ver ou kon sa, et certainement, jou di an, un système d'identification ça. C'est d'ailleurs pour question parti vote yo, m'da encourager nous et inviter des mounan dans CEPA qui ont même maîtrisé toute partie ça pour ba nous plus détails sur partie ça yo qui intéressant dans parti vote yo. Mais pour moi ça me comprendre dans ça m'était fait dans ça m'était ouais déjà dans dernière élection yo, ça veut dire que ça m'était tout là li possible. Maintenant, sous question on moun qui mène on moun al fait 4 li kembe 4 li. OK? Ça c'est moun nan qui pour gérer ça. Ça veut dire que pour qui ça pour fond moun al prend kembe kartou li pa remettre kartou. Moi parce que type de comportement ça yo, c'est des comportements que nous devons éviter en dans société a. Et comme moun yo jodi an carte là c'est pour carte électorale li. Pas oublier que carte ça, li pour carte électorale, c'est pas seulement le besoin al voter qu'on besoin faire carte là. Ils sont carte d'identification nationale. Sou besoin faire passeport, faut al prend carte, besoin al faire une transaction la banque, ou besoin al faire carte là, li pas aussi simple que lors des concours électoraux ou pas j'ai besoin peut-être toi me servir avec elle et pour qu'elle quitte le mon candidat et puis je vote là pour la voter avec elle pour le faire des bails comme ça. Capable je vous dis c'est un code d'identification nationale qu'on besoin dans tout un ensemble de transactions qu'on fait dans le pays. Exactement. Donc il est difficile pour que quatre là pas dans mon. Mais ministre, le mal chercher quatre moi l'aime défaire. Faut prendre un point de main. Maintenant, je suppose que si on a le chercher en carte des autorités qui mène on prend. Si l'autorité a gagné 4 là, est-ce qu'il faut faire un point devant ce deuxième là, ou mettre 4 là, le campé n'importe là, pour le nommer? Parce que ma deal en fonction d'expérience. C'est deuxième, deuxième aspect. Là, on rentre mal chercher 4 là, il prend un point de vue, il met moins 4 moins. Kounier, si mon yo dit qu'on ensemble d'autorité, Kembel capable d'un processus qui n'est pas fait, ça veut dire si ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible parce qu'il faut 4 là, là, prend un point tout. Bon, la 4 là, c'est laisser l'activer. Mais oui, en même temps, voilà, je dis que bon, oui, je propose vous ça tout parce qu'il y a un pile 4 qui n'est pas activé. Non, ça veut dire que c'est l'or. Il n'est pas activé, ça lui pose un problème. Non, 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 le non, non, c'est l'or prend 4 là, 4 là activé. Oui, mais il y a des gens qui ont 4 là sans que ce n'est pas lui qui le prenne. Ça va possible. Non, il n'est pas activé. Alors, il y a un lamel. Ça va possible. Oui, il y a un lamel. Il y a un lamel. Il y a des gens qui ont 4 là. Il n'est pas qu'à le prendre. Et question 2, il y a le prendre pour l'IA. Et jusqu'à présent, beaucoup ont cas côté on y fait ça. Ça veut dire que yo permettent que on moun a pour quatre pour l'autre. Non, la sami. Parce que non, on dit, yo prend autorité. Comment autorité a yo prend, sauf que ça dit, il pas activé, ou il est pas enregistré. Parce que fait dans un mitaille avec des connaissances. Ça veut dire que moun a fait 4 là, il prend pour moun nan. Dans un mitaille, mais il manque connaissances pour qu'on ait que 4 là pas activé. Parce que faut que li barre. Maintenant, l'autre question. Par exemple, je suis de Las Caobas. Moi, je fais 4 mois pour au prince. Mais, moi, je dis, mon qui compte mieux, c'est mon Las Caobas. Combien leur élection? Comment y a qu'on est pour afficher? Et si, comme moi, c'est mon Las Caobas, vous ne mettez pas, par exemple, dans la ville, je sorti dans la section communale, si non sorti dans une liste, que l'homme cherche, quand il y a accès au majeur, comment m'a fait qu'on est exactement côté je vais voter? Les deux là différents. Moi même moi c'est mon cap, mais côté mon rété a. Yo pas yo mande acte de naissance ou acte de baptême dit côté au monde. OK. OK, mais côté rété a, ça veut dire dans zone côté rété a, c'est là que il va la signer au côté pour aller voter. Okay. Ça veut dire que si me dit que moi c'est mon cap, mais moi habite Pétionville par exemple et place Saint-Pierre. Eh bien, je pourrais assigner par rapport à la zone. Eh bien, c'est peut-être dans Pétionville, là, dans le lycée, que je pourrais voter. Donc, c'est deux bails différents. Il ne peut pas assigner en dans côté du monde. Il pourrait assigner par rapport à côté du rite. Ça veut dire adresse. Et si je ne me mentis bien, pour moi, même quand je te demande une pièce, un bagage qui prouvait que c'est adresse que moi-même, moi, gagne, côté de rite, côté de m'habiter. Ok. Moi, je ne sais pas un problème de communication dans le sens que les gens qui ont fait 4 pour t'as bien connu
Si vous êtes une question ville, adresse à la côté de l'été. Yo dit ça pas dérange au café 4 dans quoi des bouquets. Maintenant qu'on y est, faut qu'on sûr et certain que si c'est Pétionville ou besoin voter, c'est adresse Pétionville ou supposé bail. Et sous gardez bien, sous gardez bien, par exemple 4 mois sous face li, ou après lieu de naissance cap haïtien. Maintenant dos 4 là, bon côté ou après il dit dans qui département et département l'ouest Pétionville et puis il bail adresse côté moi était dans dos 4 là. Okay. Ça veut dire que et c'est par rapport à adresse ça qu'on cap localiser bureau de vote. OK, très bien. Très bien. Donc, c'est deux informations différentes. Ouais, première, c'est lieu de naissance. Deuxième, là, c'est adresse côté moi-même, moi habité. Et des bails comme ça qui déterminent lieu côté mal voté. Oui. Mm-hmm. Mais, je ne sais pas si ça pour le public là. Je comprends comme si même les quatre là ont des données biométriques. Ça va empêcher que on moun gen 4 on moun nan men et puis l'aller il voter pour lui. Bon, là ça parce que et seulement sur liste moun nan il va 4 là aller voter. Là ça et pour moi pour ça a fait faut qu'on certaine complicité entre moun qui gen 4 là et moun qui nan bureau vote là. Parce que moun qui nan bureau vote là, nan moment ou pa le voter pour le bon bulletin, moi même ka en fait toujours le voter. Ça veut dire que vous regardez quand tout, vous vérifiez quoi là, vous regardez pour voir si c'est où qui gagne quand ça, et c'est là ça vous remettre un bulletin de vote qui vous permettre de voter. Ça veut dire que ça, ou qu'à éliminer l'arrivée totalement d'un vote électronique, côté que c'est avec empreinte ou que vous pouvez voter ou bien avec système biométrique ou vous pouvez voter. Mais non vote manuel, moi pense que moun qui n'a pas bureau de vote là qui va le remettre ou qui bulletin. Pour voter, hein, qui peut faire processus là pour voir, c'est seul lui-même qui peut permettre que vous votez avec un code qui va pour. Alors, s'il vous plaît, maintenant, République. Mais c'est le PA, encore une fois, je pense que nous avons une réunion avec eux qui ban beaucoup plus de détails sur qui ça prend comme disposition qui peut permettre de débattre comme ça. Très éviter, bien. Dans le dernier temps, yo, nous sentons diaspora très présent, monde qui est en France, Canada, Brésil, Chili, aux États-Unis, en République Dominicaine. Yo très intéressé à question politique. Pendant la parole là, qui mesure qui prend pour moun sa yo fait 4 là côté ou hier ou bien c'est dans pays d'Haïti pour vinn faire 4 ça si yo ta vle ou même rentrer vinn voter un moun yo trouver qui gon projet et qui ca sans doute participer dans développement pays. Bon parce que gon étape très avancée qui fait et certainement et en Europe, je dis à Canada, c'est des pays qui fermé. Ça veut dire que on n'y pas qu'à ouvrir bureau dans le pays ça. Mais et je dis soit Saint-Domingue, sous Santiago ou son étudiant qui a étudié Santiago, et ben on va aller dans le consulat et ben normalement on capable de faire carte. Parce que dans le rapport que moi-même moi ouais, ça veut dire que qui quantité monde qui enregistré Santiago, ça veut dire que monde aller dans le consulat, li enregistré, li fait carte. Et gagne à peu près 5 consulats et République Dominicaine. Côté tout moun yo gen infrastructure pour yo capable faire carte yo gen à peu près et 7 missions diplomatiques tout aux États-Unis côté que tout moun yo même yo capable faire carte yo directement. Qui le ça a commencé? Ça a commencé déjà, ça a commencé déjà. Et okay. depuis plus d'un mois et aux États-Unis avec et République Dominicaine ou capable faire carte tout directement sans qu'on pas passer par et ou pas besoin d'entrer en Haïti ben comme ça. Maintenant. Et ou pas capable tout voter directement du pays côtoyer. Ah, exactement. Donc, il n'y a pas besoin. Non, pas de question d'entrer en Haïti pour venir voter de comme ça. Ok. Maintenant, et comment, pour le conseil électoral, dans tout, pour le mettre de. Il va faire concours pour Mounzao. Bon, et mettez pour que le conseil électoral, là, dans les jours à venir, annonce plus ou moins comment et système pour vote dans la diaspora lui-même. Il pourra le faire, mais je pense que il y a des infrastructures pour le mettre en place qui pour permettre aux gens qui sont dans la diaspora capable de voter dans le pays côté lire. Très bien. Maintenant, il y a un peu de reproche qui a fait jusqu'à présent, même si ONU en fait multiplié j'ai que le tap fait pour permettre que nous ayons 4 ans plus facile. Mais jusqu'à présent, il y a deux zones qui ont plein de sections communales que ONU pour au présent. Maintenant, pour sortir dans la section communale, ça, pour arriver dans la ville là, leur arrivée, gros problème courant. Leur arrivée, ça veut dire système n'a pas qu'à travailler, parce que y a pas qu'à travailler sans courant.
Maintenant, qui ça qui a mis en place pour gagner le déplacement qu'a joué Mounzao, même Jean, il fait clinique mobile, et puis aller dans la section communale, gagner par contre 5 mounes, qui débarquaient avec un ensemble de petits appareils, qu'a joué une casette, avec dans la zone, yo, et puis pour permettre que les paysans aient fait 4 ans plus facile. Bon, gagner et au ministre et délégué, et ceux qui sont citoyenneté, et ministre Guy François, qui est même. Il y a une partie de la responsabilité, c'est coordonner tout le bagage. Côté que, il y a des équipes qui pralent dans différentes sections communales, faire une casette pour qu'ils permettent de faire 4 pour nous. Moi, je connais que il y a à peu près 500 et quelques clercs et qui ont assermenté pour permettre de faire 4 pour nous dans la section communale. Côté OE, et il y a un acte de naissance, il y a un registre, il y a tout le bagage qui met en place qui pour permettre. Élément fondamental que nous avons besoin, c'est acte de naissance que vous avez et que agent au niveau là qui vous permet de faire 4 pour nous. Donc, système ça, il met en place. Et donc, nous-mêmes, au niveau bureau, nous avons un qui a une spécialité dans ça, qui a coordonné, qui a gardé l'évolution, comment ça a fait. Mais jusqu'à présent, information que nous avons, ça a avancé assez bien. Équipe ministère de la Justice, le ministre Guy François a une task force qui est en place, qui réunit toute entité, la poste, ONI, qui réunit et moun sous le ministère de la Justice, et etc. Qui est-ce qui permet dans, c'est ça. Le ministre pas qui est au courant parce que. Non. Le public là au courant de tout ça. Et je crois même que il y a un numéro, c'est 88-22, et qui est disponible pour que si par exemple vous avez fait cartou, ou pas qu'à jouer un cartou, ou qu'à brûler, etc. Et il n'y a pas capable de bonnes informations sur le côté 24. Donc il y a tout en mise en place qui fait qui pour permettre d'assister Mounio, non seulement pour faire Katio, mais pour être capable de jouer une Katio si vous comprenez Katio et je veux dire. Très bien, merci mesdames, messieurs. Donc nous gagnons Val Eni, notre frère ami qui rejoint nous sur plateau 1. Donc ça ne va pas trop tard, dit Val, bonsoir. On salue le ministre et puis tout le pays. Très bien. Yeah. Ministre, avec qui organe et certainement pays a connait une nouvelle constitution, c'est-à-dire qui organe qui a organisé bagaille ça. On parle de référendum non, voilà. Non, c'est écoute, il clair un décret référendaire qui sorti. Et CEPA gagne pour mandat et pour que l'y fait référendum là. Maintenant, il gagne un comité et consultatif indépendant qui s'est essayé, qui lui-même. Alors, tu m'expliquer un petit peu le process là. C'est que je vous dis, gagne un avant-projet, je suis bien content de moi là, qui c'est un texte qui est en circulation. Ça veut dire que le comité consultatif indépendant, qui gagne en tête du président Boniface Alexandre, qui gagne un major général qui l'a donné, et qui gagne l'a donné et avocat, qui gagne M. Lino, M. Mouna, etc. Il gagne colonel et général Abraham, excusez-moi, qui l'a donné. Donc, qui est à peu près 5 personnes qui l'a, qui pour permettre que vous travaillez sur. Tout texte à travers méthodologie que vous-même définie. Je dis à texte est disponible de tous côtés et je suis bien content que des débats commencent sur lui. Texte A, c'est un texte comme dit qui est un débat dans la société. Ça veut dire que ou même qui est une organisation, ou même qui c'est organisation femme, ou même qui c'est parti politique, ou même si c'est organisation de base, organisation paysan, ou bien mot par mot dit. On commence à entendre des avocats et pas n'importe lequel qui commence à intervenir. Ça dit d'accord, ça dit pas d'accord, mais il y a un débat qui est ouvert. Et au niveau gouvernement, nous allons prendre des dispositions pour qu'il y ait plus de débats qui fait toujours sous et constitution. Et avant projet constitution. Maintenant, il y a des recommandations, il y a des commentaires, il y a des bagailles qui pourraient rassembler pour adjoindre le comité consultatif. Là. OK? Et le comité consultatif là lui-même prend rien parce que toute période ça yo là c'est période pour débat yo et ben sensibilisation fait débat fait et ben qui prend ramasser ça qui dit yo ça commentaire qui pour voir comment yo capable intégrer ça qu'a intégré en dans texte ça qui pour permettre un texte final et texte final ça c'est lui-même que CCI lui-même prend soumettre à gouvernement qui transmettre li bail
et CEPA qui les mêmes pour faire référendum. Donc ça son approche très démocratique et par rapport à des commentaires que me donnent sous l'ancienne méthode, l'ancienne façon et le constitution 87 là, tu as fait et on constitution qui incitait un pile débat et me t'attend des et capé l'autre jour que tu as parlé et ancien PM Evans Paul me t'attend des et qui dit non non radio que de même à l'époque il était contre et il était voté contre et il était goumé contre lui et me t'attend tout et on ancien membre et son avocat assez quand même éminent sous métropole et maître Dicou qui t'a parlé de histoire constitution 87 là t'es grand pile monde qui compte t'es grand pile monde qui finalement à la fin est voté pour constitution et même mon petit vidéo côté que télé national et un petit vidéo qui t'intéresse télé national t'es bail et t'as pris transmettre et puis et moi m'attendais le dit grand pile monde qui t'a voté constitution t'es gagné dans le département l'ouest 388232 monde qui t'a voté oui t'es gagné 980 qui t'a voté non et puis me regarder par exemple dans Grand-Anse t'es gagné 98921 monde qui t'a voté oui et puis t'es gagné 124 monde qui t'a voté non ça veut dire que t'es un vote qui fait et à la fin de la journée une majorité population qui t'a voté et pour que texte santé approuvé. Donc c'est un processus pour quoi démocratique et je vous dis je pense que on est qui pas d'accord à des bails qui écrit dans la constitution, on monde qui a des commentaires, qui fait des réflexions, mais c'est le moment pour assembler démocratiquement soumettre bail et comité consultatif là qui pour travail pour que nous sortir avec un texte qui reflétait et ça pays à attendre. Est-ce que sous permettre Val qui le peuple là, peuple haïtien alors qui dans pays en dehors a connait ça qu'en dedans nouvelle constitution et qui ça bon pour yo ça veut dire que qui le pouvoir en place là a décidé permettre que moun qui dans pays en dehors section communale yo même yo au courant 1 2 3 mais bon ensemble de éléments là en dedans nouvelle constitution nous compter nous en dedans qui le a au courant de ça bon, parce que même n'importe où presse. Est-ce que moun yo konnen sa kan dan constitution ka bon pou yo et ki sa ka pa bon pou yo tout? Mwen kwen ke se sa k débat. Premier bay ki gen sou gade texte sam, kwen kopik nan mon lan, ou apre li gen colonne français, on colonne créole. Et moi même mwen participe nan 2 ou 3 réunions côté que ensemble des Kazek et Fenac et responsable Kazek yo. Yo té nan et vinn prend présentation et yo même tout, yo gen pour mener débat à la caillou. Jodian par exemple la Grand-Anse et me connais que il y a un professeur no qui est lui-même et dans Grand-Anse il y a une grosse organisation qui a fait des gros débats. Moi-même moi j'ai été invité à peu près 250 et organisations et représentants d'organisations à travers 10 départements paysans qui vini faire atelier, yo prend formation, ou remettre yo texte là et puis yo retourner la caillou pour penser là pour mener l'aller. Pour mener l'aller à travers organisation de base, à travers organisation femmes, pour mener l'aller à travers parti politique, c'est comme ça pour mener l'aller. Et faut d'abord préparer le travail ça fait et certainement et pour gagner et très certainement des débats publics qu'a fait sous radio, sous télévision qui pour permettre moun yo connaît ça qui dans texte ça des moun qui connaît ça qui dans texte ça pour venir dire ça la donne, ça ou d'accord pour dire là d'accord, ça ou pas d'accord pour dire pas d'accord, mais pensez que débat ça ou c'est des bagages qui vont ouvert dans société à très prochainement qui va venir. Alors en fait et ministre non seulement pas la technicien puisque en fait un ministre délégué d'un côté dit là tout au début c'est un moun yo relé pour font travail spécifique, mais m'a parlé à la fois toi à un politicien pour avoir été candidat à la présidence, ça veut dire il m'a suivi quelque temps tout en fait et là on a par exemple le CEP en fait qui là c'est par rapport à contexte là hein, son un CEP qui largement contesté puisque il pas été constitué conformément à l'article 289. C'est la première contestation. Et la deuxième contestation, c'est que même si CEP ça, il n'est pas respecté, bon, ça me carré en pratique républicaine. Il n'est pas de chance de se prêter serment devant la Cour de cassation. Jean, et en fait, l'idée de l'UFL. Ce qui fait que il est frappé de l'illégalité en ce sens. Un texte qui s'échappe de la nation. Parce que moi,
pas que quelqu'un cap fait dire bon, on a des plaisirs à deux monde cap mettre parole dans bouche, pas quelqu'un cap dire que c'est le projet de Jovenel Moïse, c'est le projet de la nation. Maintenant, un projet de la nation, est-ce que un organe qui illégal, qui illégitime puisque il est contesté en fait par la société, est-ce que un organe comme ça a une charge, une responsabilité pour une responsabilité nationale, un projet national? Bon, je vais répondre à une question par deux parties. Premièrement, c'est que pourquoi ça va jamais un conseil électoral permanent? N'a pas fêté 34 ans constitution. Pas un conseil électoral permanent parce que les politiques ici toujours peur que un conseil électoral permanent côté gain des monde qui entraîne dans conseil là pour 10 ans et rôle yo métier yo travail yo c'est faire élection. Donc beaucoup j'aime bien. Constitution 87 là t'es bien en formule comment pour faire conseil électoral permanent. Ça veut dire qu'il faut des élections directes, faut des assemblées qui pour choisir des monde qui pour voter etc. Il va déjà marcher. En 2012 nous faisons amendement constitution pour te résoudre le problème là. Pouvoir exécutif de choisir trois monde, judiciaire trois monde, pouvoir parlement trois monde. Nous remarquons que quatrième tentative le président Jovenel qui fait n'ego pas jamais voulu particulièrement au parlement désigner trois monde qui pour faire un conseil électoral permanent. En d'autres termes, nous sommes pays côté que n'est plus réfléchi côté en a pour faire pays avancer, mais y a été comment pour bloquer et s'accriver avec CEPA. C'est exactement la dynamique ça lié. Donc ouais, il y a tout un système qui met en place pour pas gagner un conseil électoral permanent, donc pas gagner un conseil électoral permanent. C'est même genre tout un système qui met en place quand on pas jamais une loi électorale sous 34 ans constitution, c'est toujours des décrets électoraux, c'est exactement le système ça qui met en place. Maintenant on garder côté nié je veux dire. Président Jovenel Moïse, tant bien que mal, t'es doué tant que où il va pas gagner parlement encore qui pour permettre d'utiliser cette fois-ci les dispositions transitoires de la Constitution, qui pour permettre de faire CEPA, et plus tard, pour que mon décret électoral qui pour permettre de faire élection. Son réalité liée. Parce que tant que le Parlement était là, on pas qu'à mettre un CEP, pendant que nous n'avons pas voué les gens qui ont désigné pour la d'ailleurs, pas désigné monde. Parce que les dispositions transitoires, ça, spécialement, maintenant, le de disposition transitoire là, qui ça le dit? Disposition transitoire là, les cités ont ensemble d'institutions, les dit que pour que le président vous demande pour désigner moun dans le CEPA. Et dans la disposition transitoire ça, les dit à défaut de institution ça dit le pape vous moun, eh bien, ou cap substituer par rapport à une autre institution. C'est ça, les dit. Et c'est ça qui est appliqué. Ça veut dire que chaque monde qui est dans le CEPA, il est représenté en instance. Il y a des représentants femmes, il y a des représentants droits humains, etc. Il y a des représentants diaspora, etc. C'est ça lié. Maintenant, il y a qu'à inviter organismes en impression pour dire pour voir un monde, qui est cité. Non, il y a dit pas voir un monde. Mais il faut que le processus là continue. Mais bah là, plus grave, parce que vous parlez de prestations de sèmes. Yeah. Premièrement, et c'est toute raison ça qui fait que nous besoin de l'autre constitution. Parce que constitution ça gien des éléments que des moun utiliser la donne uniquement pour bloquer en dans texte là moi gien constitution 87 là dans mon amendé li dit conseil électoral permanent li préciser faut gien prestation de serment mais li pas clair m'en dit que dans CEP provisoire là li pas dit que faut gagner prestation ça. Ministre sous-vêtement. Sous-vêtement. C'est pas ça qui est important. Ministre sous-vêtement. C'est ça que fait parler de pendant toute existence. Attends. Pendant toute application constitution ça. Attends. C'est ça qui fait parler de pratique républicaine. Et pas ça pour. Et pas ça plus grave là. On aller. Et pas ça plus grave là non. C'est pas ni CEPA. C'est pas ni pouvoir exécutif là qui fait prestation serment pas faite. Sous songez bien. Jugeo dans quoi m'a CEPA al nan kou la. OK, et yo di yo pa jwenn consensus entre eux, donc yo pa faire prestation de serment. Yo pa jwenn quorum. Ah, c'est qui est légal, normal. Oui, quorum je t'aime là. Oui. Donc finalement jusqu'à présent yo pa jwenn quorum, mais pas grave. Mais n'a vini sur ça. Mais le nan installation nan palais, un juge qui vient nan palais. Il n'y a pas de cap de prestation de serment
dans la Cour de cassation, mais vous n'avez pas parlé. Mais c'est pourquoi ça, problématique là. Lorsque vous regardez 7 février 2021, ça qui s'est passé là, vous venez nous compte que vous avez des bagailles intentionnelles même qui pouvaient créer la crise là. Parce que vous avez un juge, Cour de cassation, parmi ces juges, ça y est, qu'on retrouve nos affaires petit bois, ok, impliqué dans la question coup d'état, et ouvre on le juge coup de cassation qui eux même autoproclamé tête li président avec l'aide de. Donc, si on pose des questions ça, si nous avons intention que forme créer une crise pour m'arriver président, et on a une crise que m'a créé, c'est discréditer institution ça qui c'est CEPA pour que élection pas faite qui vous permet moi pas penser que pas d'argent faciliter prestation de serment. Donc je dis moi quoi que c'est un débat dans la société a, et c'est peut-être ça que moi quoi que nécessité, parce que c'est pas seulement type de problème ça ou gain en dedans constitution 87 là ou gain avec CEP ou gain avec multiplicité d'élections, ça veut dire qu'on gain 3 élections, sénateur pour 2 ans, sénateur pour 4 ans, sénateur pour 6 ans, député pour 4 ans, ou bon multiplicité d'élections qui bon un coût très élevé des élections, ou bien un problème quand on pas jamais arriver faire élection, ou bon problème de dysfonctionnalité de parlement qu'on toujours gain là-dedans très souvent, ou songer que ou cap peut-être plus jeune bassem, mais en 1995, c'était la première fois qu'on gain un parlement qui vient dysfonctionnel, c'est René Préval qui était président, côté que le ça de ma mémoire, c'était le sénateur Gordy Leblanc et qui était sénateur, président du Sénat à l'époque, et Simbaranti, il y a des autres sénateurs assez influents qui étaient dans le Sénat, et côté René Préval, c'était la première fois constaté le dysfonctionnement du parlement. OK, parce que le parlement tu pas de le faire bah, il avancer et mandat fini, donc il pas prolongé mandat. Ça veut dire que ou une dysfonctionnalité parlement comme quoi sur le pouvoir de Michel Martelly, qu'on vient rejoindre encore sur et le pouvoir de Jovenel Moïse. Ça veut dire que ou toujours il y a des problèmes structurels qu'on refuse de poser parce que dans tête nous faut nous constamment à jouer un jouet de coquin. Et c'est pas un jouet coquin qui vous permet de nous arriver au pouvoir. Alors que toute machination ça yo, yo gen un seul objectif. Pas gen l'autre non? Retirer pouvoir que peuple a gagné avec un bulletin de vote pour décider de qui moun qui pour diriger. Parce que là fait toute machination ça yo. C'est pour vivre en gen bari transition. La transition. Et deux nègres dans Pétionville, là, Chita, ou bien dans Port-au-Prince, ils ont décidé, bon, c'est un tel, et puis nous allons faire monsieur prêter serment, monsieur le président. Le peuple n'a pas gagné là-dedans. OK? Maintenant, là, c'est élection, c'est le peuple qui paraît avec ticket là et petit bulletin de vote là, et c'est plus gros pouvoir, oui, qui gagne dans la Constitution 87 là, et certainement dans la Constitution là qui est supposé préserver. À savoir, pour que élection. Faut on est d'accord, on forme d'accord. Si pour diriger pays, si pour chef, si pour gagner autorité, c'est peuple là pour avoir pouvoir. C'est peuple là pour avoir mandat. Et c'est ça que fait moi-même. Un job que m'y là, un job qui compliqué. Qui est compliqué. Mais moi dis que je dis, faut que nous faisons élection, faut que c'est des élus qui vont remplacer des élus. Ça veut dire que président Jovenel Moïse dit qu'on mandat cap fin 7 février 2022. Jodian li pral gen pour le quitter par le national. Et bien, li gen pour le remettre maet là, bah yon l'autre président élu. Seul moyen pour le faire, c'est que c'est peuple là pour bal mandat ça, et pour peuple bal mandat ça, c'est dans l'élection. Jodian, et m'bay conseil ça, ganaki, m'pense que faut m'continuer bah li. Jodian, on dit que nous dit, nous fait manifestation de kamete 1 million moun dans la rue. 1 million moun, amplement suffit pour élire un président. Eh bien, font alias, choisis un candidat, femme ou garçon que nous fait confiance, fait unité d'elle, dit 1 million moun ça, al voter pour lui. Al voter pour lui. Mais ça, n'a pas pouvoir par la voix des unes, et ce peuple-là qui a baillé pouvoir, la légitime. Parce que, je dis, hein, moi, tant de questions volées, élection, peu élection, etc. Ouais, depuis qu'il y a 2 millions moun, 2,5 millions moun qui a voté dans le pays ici, pas volé élection.
pas un vote pour l'élection. Mais est-ce que, ça veut dire que je dis, moi-même, je pense que les hommes et les femmes politiques de ce pays, faut y avoir pas peur élection. Et quand pile, il y a deux catégories de gens qui l'ont, je veux dire, Cap Goumen. Une catégorie de femmes qui connaissent que ce petit peuple a pour l'élection, dans la caillou pour aller comme député sénateur, il y a veillé, il y a Goumen pour que l'élection en fait bien, je comprends. Il n'y a pas veillé pour l'élection dans la main. Je comprends. Parce que je ne vais pas le cop. Mais vous êtes député, puis les amis qui connaissent, qui parlent la caillou, qui sont députés. Mais vous avez besoin d'élection. Mais vous avez besoin d'élection en fait bien. Vous catégorie moun, papa pas prêt à un mandat encore. Pour des raisons spécifiques, parce qu'il y a une élection de vous, vous êtes chef déjà, vous faites assez de mandat, peuple pas prêt à un mandat encore. Ou bien, vous avez demandé peuple à un mandat déjà, peuple pas prêt à un mandat, donc ça veut dire que vous n'avez pas arrivé pouvoir, dans le pouvoir, dans l'élection. Mais je dis, hein, pour me conclure ça, m'abdien, on parle comment pour un nèg vle diriger pays, on femme vle diriger pays, pour que ce soit vraiment d'arrêtement des peuples là, pour voter pour vous. Vous voulez coup d'état? Et m'ba vle utiliser le droit. Non, c'est pas élection. C'est pas élection. C'est coup d'état. Moi, contre toute forme de transition. Moi, contre toute forme de transition, parce que moi, je pense que derrière la transition, c'est plusieurs nègres qui campent là, sont pas zouk pour le bail. Nègres a besoin de pouvoir, nègres a besoin de pouvoir, nègres a besoin de pouvoir, tout un, puis on est capable, pap, li ba on pas zouk, ça dépend de qui force si gen d'elle. Je dis, on bail peuple la chance. Bail peuple la chance, al fait 4 li, eh bien, li pour al voter, on ti bulletin la mette pour. Parce que, ou pas le vendre nos bagages que le content, ou pas le dire nos bagages que le remet, et le, puis devant, sortez dit l'on va faire pour le bon canet, pour le bon l'autre mandat, et c'est ça pour moi. Est-ce que ça a deux forces fait noir, Cap Goumen, sur le même plan, deux forces fait noir dans le sens que, groupe ça qui dit tête que, soit vous êtes dans le pouvoir déjà, ou bien vous êtes tellement dit peuple en mandat, ou pas bayoul, et vous rendez compte que, c'est seulement transition pour prendre pouvoir. Ils gonflent 20 ans ensemble, ils font force. Mais c'est clair. Il y a des gens qui ont force noire. Mais de l'autre côté. Même pas qualifié. Non. Écoutez bien. Pas qualifié. Au bout d'un ministre d'élection. Écoutez bien. Non, écoutez bien. Dans ce ministre d'élection, pas qualifié. Pas de problème. Mais il y a des gens qui ont les forces, groupe de gens, qui n'ont pas qu'à prendre pouvoir dans l'élection et qui ont besoin en transition pour mettre les gens pas, ou décider quelque part, mettre les gens pas, ou les forces noires tout. Non, parce que c'est une stratégie d'elle. Le pouvoir dans mais on, de l'autre côté, parce que je parle de deux forces. De l'autre côté, groupe yo même qui est dans l'État, qui est comme dans mais très souvent, c'est acheter votre peuple, soit avec 1000 goud, ou bien, n'est qui est gros comme blanc, jouer 2 millions de dollars sous pied, n'importe qui moun, lui faire une élection. Est-ce que même à travers, moun qui a utilisé, on t'a dit de bah, drôle, pour prendre pouvoir dans la transition, est-ce que moun tout cap utilise démocratie pour nous prendre comme l'État ou bien comme contrebande pour mettre sous deux pieds l'autre monde pour prendre pouvoir qui est dans la main? Est-ce que c'est pas deux forces noires qui ont boumé? Et ça vous sent d'accord avant, et c'est ça que Femme t'a dit tout à l'heure. Si 2 millions, 2,5 millions de monde sont à voter, moun que peuple a voulu, il y a l'élection. Ça veut dire qui ça? Il y a une stratégie qui toujours met en place si vous allez sous logique de force. Qui paraît, dès que vous dites élection dans le pays d'Haïti, et si nous rappelons demain, regardez 2010, regardez 2015, regardez aujourd'hui. Dès que vous dites élection, et vous êtes toute une machine qui mettait pour discréditer l'élection. Parce que. Il y a une autre machine qui vous font d'appir. Parce que. Parce qu'il faut discréditer l'élection pour dire élection pas bon. Pour que notre tête tout le monde a l'élection pour le voler et puis pour le monde pas le voter. Et si le monde est prédéterminé pour pas le voter parce que dit élection pas bon, ça veut dire que l'élection a une minorité qui va prendre le contrôle. Ça veut dire que vous avez une participation très faible et avec participation très faible là, vous pouvez contrôler la prise du pouvoir. Je veux dire pour moi, c'est cette approche qui doit changer au niveau même de sa mêlée opposition. Ça veut dire que, au lieu de nous discréditer l'élection, pour moi, c'est des antidémocrates qui font ça. C'est pour nous dire que nous voulons l'élection, mais de préférence, goumer pour que l'élection soit faite dans de bonnes conditions. Ça veut dire que, femme dit, et très souvent, me dit, c'est pas si
a bien élection, mais fuck bien élection. Maintenant, qui condition qui pour réunir, qui pour élection fait bien? Moi, je pense que de préférence, c'est faire pression sous pouvoir en place là, qui pour permettre que élection libre, honnête, li démocratique, dans un terme, un bon terme, m'a dit, pour que, par exemple, il y a deux barres que nègre appelle le bureau. Il peut pour que l'agent pouvoir pas utiliser contre lui. Ça veut dire que je vous dis, il y a des dispositions qui pour prendre, qui pour pas à favoriser le nègre, côté que c'est l'agent pouvoir qui pourra permettre l'élu pour que l'autre nègre qui en face là, lui-même n'y pas peur. Parce que pour ça, il a besoin de transition. Il a besoin de transition pour deux bagailles. Il a besoin de transition pour le cas entrer dans le pouvoir, pour le cas mettre un ministre, pour le cas gagner un cob pour l'élection. Ensuite, il a besoin que tout, il y en a qui besoin tout, mettez des mouns en de machines judiciaires, hein, système judiciaire, hein, pour gagner des commissaires gouvernement, pour gagner des substituts, qui pourra arrêter moun pour les jouer vote, pour permettre que moun pas voter. Et puis, il a besoin tout, gain, mettez le conseil électoral pour qu'il contrôle dans la tête si le contrôle le même conseil électoral, ça veut dire que le contrôle l'élection. C'est trois éléments qui font le besoin de transition. Je veux dire, pour moi, il faut que le pouvoir prenne des grandes dispositions pour que yo pas entré en dans la logique. Ça veut dire que pour que l'élection a fait, il fait de manière indépendante, le conseil là lui-même il fait de manière indépendante, et que l'agent pouvoir. Ça veut dire que vous avez besoin des partis politiques qui sont structurés, vous avez besoin des partis politiques qui gagnent force, vous avez besoin de tous des partis politiques qui ont une capacité pour vendre la population un programme, ou bien des partis politiques qui pour vendre et les gens qui gagnent quoi un bagage pour être capable de contribuer là-dedans. Et vous avez besoin que la population, hein, lui-même tout, lui intéresse à la question des élections pour que je vote là, lui-même lui sorte en masse à voter. Si vous suivez bien le dernier chiffre que j'ai, dernière élection qui a à peu près 2 millions de monde qui t'a voté, c'est l'élection René Préval 2006. Et si nous songeons bien, la dynamique de René Préval 2006, c'est une déception de transition. Ça veut dire que, les nouveaux et Aristide Allé, en 2004, nous songeons, le contrat social, le groupe des 189, ils ont vendu le peuple en image, le peuple a acheté, ils ont fait une transition, et puis deux ans après, le peuple a rendu compte que la transition n'a pas marché, il dit Préval avec Aristide, c'est mal à ça. Il vote en masse, il sorti et le voter René Préval. C'était saleté. Et si nous songeons bien en 2006. En 2010, nous avons à peu près 1 million de monde qui ont voté. 2010-2011. Mais on rappelle tout 2010-2011. Depuis avant l'élection, on commençait à discréditer. Dynamique élection pour changer, on a commencé à avoir un débat public. Ce qui t'a fait dans la télévision, dans la radio, et puis moun commence à parler d'élection, candidat fait débat, c'est là ça dynamique élection a été changée. Parce que yo t'es discrédité élection en tout. Si nous songeons élection 2015-2016, en août 2015, nous songeons élection qui fait violence qui t'a gagné dans l'élection, en plus moun dépensé que l'élection présidentielle 25 octobre là, pas t'a réussi, tellement t'a gagné violence, c'est ça que fait nous songeons, c'est à peu près 80 députés, 79, 78 qui t'a élu, parce que bon paquet de côté élection écrasé. Deuxième circonscription Port-au-Prince. Troisième circonscription Port-au-Prince. Dans la Tibonite, tu as 8 circonscriptions sous 15 côté de toute bas Tibonite, là, Saint-Marc, Tirivière, et élection écrasée dans toute zone. Nous sommes les discussions que tu as pour sénateur qui passé dans l'Ouest. Nous sommes les discussions que tu as pour sénateur qui passé dans la Tibonite avec un règle que c'est PD défini. Ça veut dire que depuis que l'élection, on peut. Combien de monde qui t'a voté de ça? 1 million de monde. C'est l'arrivée de l'élection présidentielle en 2016, yo, côté 1,2 million de monde qui a voté. Ça veut dire que depuis quelques temps, il y a une machine qui met en place qui pour décourager les gens à voter, pas discréditer l'élection, de sorte que y a une minorité qui est capable de contrôler le résultat de l'élection, contrôler l'élection avec l'argent. Je dis, il faut que nous changions la dynamique. Ça. Et moi-même, et moi, l'histoire de dit, moi il était bon mon terme n'a pas vinn tout à l'heure côté que moi-même le moins président Jovenel relève il dit c'est job ça a décidé bon mon jour matin il dit ah président comme ça même il dit mais job mais alors il n'a pas l'air il dit pour vrai on pas gain candidat et il bam quatre noms de potentiel monde ni tant des candidats dans pays il dit il pas care quel que soit monde qui veut président il veut président. Deuxième bagaille, il n'y a pas fait qu'un rien qui pour influencer l'élection. Il n'y a pas candidat.
il va pas poser candidature 7 février 2022, livrer élection pour remettre pouvoir. Bon, même si c'est dans ça, m'engager. Ministre. Parce que moi, vous me compte moi en 2015-2016 pour qu'il y ait de bonnes élections. Je vous dis, si je vais payer en service pour que gagne élection, que c'est le meilleur qui gagne. Parce que le devant de la population, la population achète, il met comme président, je pense que le pays a qu'à prendre route stabilité. Parce que, en fait, pour moi, élection, c'est un pont vers la paix. Élection, c'est un pont vers la stabilité. Élection, c'est un pont vers le développement économique. Parce que si vous n'avez pas de stabilité politique pour boucler un pays, le pays 10, gang ici, même, et nous tous connaissons. Nous avons déjà machine kidnapping avec gang, bandits armés qui étaient mis en place en 2004-2006. Je veux dire, c'est inversé. Ça veut dire que nous avons une grande disposition pour nous faire élection pour que le peuple a réellement sorti la voter, lui a un mandat à un monde et que pour que reste qui a gardé, dit que quitter le monde, ça a fait job li, qui pour permettre le pays à sortir dans la misère et la pauvreté. Alors, même c'est un village qui a sorti, peuple dans la zone qui a sorti. Parce qu'il y a deux zones qui n'ont pas sorti. Écoutez, sous le village de Dieu, ou qui a sorti de côté là. Kidnapping avec banditisme, on est. Alors, je dépose un ancien sénateur et dans le débat, je dépose la question ça. Il dit, depuis deux jours venant l'aller, élection a fait. Je suis obligé de poser la question, est-ce que vous avez un bouton qu'on pourrait presser les jours venant l'aller pour que le kidnapping disparaisse et la sécurité disparaisse? Peut-être un bouton. Maintenant, si vous avez un bouton, c'est malheureux. Si vous avez un bouton, c'est malheureux. Par contre, moi-même, je dis au niveau gouvernement que mien, je pense qu'il y a des grandes dispositions qui ont fait sous question sécurité qui pour permettre que, d'abord, sous le plan de sécurité globale, il y a des dispositions qu'on prend pour que yo résout problème de sécurité des bandes armées, état d'urgence qui déclare dans des zones spécifiques qui pourraient mettre contrôle sur bandits, etc. Oui, bon problème banditisme, faut en adresser. Sous question électorale, bon question de en cellule de sécurité électorale qui met en place qui pourrait adresser la question de sécurité électorale. Quitter force de sécurité au fait travail yo, la police, l'armée, quitter au fait travail yo. Mais je dis, hein, moi pense que faut nous dit peuple là. Faut droit par là. Quel que soit côté lié dans 572 sections communales, 146 communes qui boit 118 circonscriptions dans le pays, c'est lui qui doit décider de qui monde qui vous dirige. Parce que à partir du moment qu'on fait ça, ou pas bal doit ça, parce que là on dit village de Dieu, nous dit Tibois. Tibois, comment le bon? Tibois, troisième circonscription de Port-au-Prince. Ok. Là on dit Belay, Delma 2. Bon, deuxième circonscription Port-au-Prince. Ah non, pour l'instant là, c'est vraiment... Mes amis, est-ce que deux circonscriptions sur 118 doivent bloquer tout ton pays? L'autre moment, ils font un événement, côté les gens sortent dans tous 10 départements. Tout les gens viennent d'ailleurs dire, ah, tout le monde vient dire, est-ce que nous cabine Port-au-Prince? Ça veut dire, est-ce que Port-au-Prince doit bloquer 146 communes, 572 sections communales qui viennent à pays? Moi, je pense que nous n'avons pas le droit ça, pas gagner une bonne autorité ça, et c'est dans ce sens ça pour moi, au niveau gouvernement, on a agi pour que l'élection faite et référendum lui-même lui réalise. D'accord, ministre. En fait, moi, je devrais faire une précision. Et concernant l'article 289, là, et vous mettez à défaut 2, en fait, dans le texte que nous avons là, pas à défaut 2. Et pas à défaut 2, non. Et vous dites, en cas, bon, je vous permets. Regardez, il y a une petite vidéo à moi, côté, elle dit que pouvoir exécutif, là, si une institution ne pas répondre, etc. Bon, ministre, en attendant l'établissement du Conseil électoral permanent prévu dans la présente constitution, le Conseil national de gouvernement forme un Conseil électoral provisoire. Qui constitution est-ce? Ah oui, amendé. Et 9 membres chargés de l'exécution et de l'élaboration de la loi électorale devant régir les prochaines élections et désigner de la façon suivante. 1 par exécutif, 9 fonctionnaires. 1 par la conférence épiscopale. 1 par le conseil consultatif. 1 par la cour de cassation. 1 par les organismes de défense des droits humains ne participant pas aux compétitions électorales. 1. Par le conseil de l'université. 1. Par l'association des journalistes. 1. Par les cultes réformés. 1. Par le conseil national des coopératives. Ça veut dire... Dans la quinzaine qui suivra la ratification de la présente constitution. Ou bon cas qui était que...
Et en attendant, côté que en attendant le union institution voilà. Ça va pas répondre. Si okay. Le ministre en attendant ça mieux même là, il va pas. Maintenant, même ministre bon question mieux les poser. En fait, on montre que démarche et le pouvoir judiciaire via en fait la cour de cassation, c'était justement pour bloquer. Mais l'intervention là, bah, ils sont faits. Oui. Fait, mais l'intervention là, on dit que ensemble des juges ça y est. Il y a eu l'intronisation sous la ville comme ça, ensemble de conseil électoral et en fait provisoire dans le palais. Donc maintenant, est-ce que là, l'exécutif là n'a pas raison en fait à mon qui est dans l'opposition pour dire que il n'y a pas aller dans l'élection parce que là, il y a une volonté justement pour instituer un conseil électoral provisoire, puisque ensemble de juges qui partent là, ils ont été dans le palais dans l'intronisation. Je t'ai demandé qui ça fait ne pas utiliser nous ça dans palais pour que nous respections les procédures légales ministre. Non pas faire comme ça. Non, c'est que sont posé ministre. C'est toi pouvoir gagner le pouvoir exécutif. Oui, c'est que sont posé. Ou d'accord que juge doit éviter dans palais, est-ce qu'on prendre non, pas dire. Mais si l'accepte vienne dans palais, c'est que voilà, sauf que gain on constat que en pile monde entendez vous faire des réactions. Qui est ministre une bonne question. Ah d'accord. Non, pas tout que pouvoir indépendant. Ça veut dire que le pouvoir judiciaire, moi je pense que chaque monde prend responsabilité. Parce que le pouvoir exécutif, lui-même il prend responsabilité, il faut que l'élection faite dans le pays, il prend responsabilité. Même dans l'illégalité. L'étape qui vient pour faire pour mettre le conseil électoral là, le mettre en place. Maintenant, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire les mêmes pouvoir parlementaire la législative a pas de travail pouvoir judiciaire là gien pour prendre responsabilité. Alors gien le monde qui très sceptique parce que yo dit moun sa qui représentait en fait un ensemble de secteurs dans conseil électoral là c'est deux PHTK déguisés et on prend exemple citoyen qui t'a représenté question vaudou dans Gonaïve quoi c'est maître Genilus si m'pas trompé qui lui-même c'est des premiers moun qui désigné pour secteur vaudou et puis qui prendra par la suite délégué départemental pouvoir qui donc c'est ton PHTK déguisé. Ça veut dire qu'il y a un monde qui dit dans le secteur même le tel monde représenté des secteurs mais sont c'est même petits amis comprennent on aime d'abord qui a regardé l'article 259.2 et vous mettez l'île oui en cas d'abstention du corps ou organisation deux corps l'organisation se visait, l'exécutif comble là pour les vacances. Nous, d'abstention, est-ce que ça veut dire de l'autre organisme qui a même répondu en dehors des procédures et pas ça, pas fait ça. Mais non, nous dit mais sa constitution dit constitution by on liste de 9 organismes. Non, laisse-moi vous dire ça, de 9 organismes qui doivent répondre, mais faut continuer. 289 point 1, il dit dans quinzaine, 289.2, il dit en cas d'abstention de corps ou organisation su en l'air visé, l'exécutif comble là où les vacances. Maintenant, depuis quelques temps, c'est pas la première fois que ça arrivait, et le président René Préval a fait ça déjà, il était fait au conseil électoral en 2010 et provisoire, côté il était utilisé et les handicapés. Et c'est là qu'il était remplacé d'un signe président, monsieur le président. Et donc, il utilisait un autre organisme en dehors de l'organisme qui cité là et pour m'en désigner. Alors, c'est ça que vous avez dit. Pour moi-même, problème n'a pas vraiment posé là, parce que. Ah, vous voulez pas avocat. T'es pas avocat, même si vous avez un délit. Il y a pas de délit, on fait photo sous téléphone. Non, mon vieux, il est allé. Non, 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 ministre, est-ce que nous comptons en fait, je n'en formule pour certainement le conseil électoral provisoire, l'hypothétiquement quand même, puisque c'est. Non, c'est moi pense que, comme vous me dit tout à l'heure, en fait, moi pas ministre et négociation, chaque ministre délégué pour un job, oui.
mais président base légale et ministre établi pour président pour de bonnes élections crédible honnête et démocratique président pour verbal et me pense que il y a des discussions qui en cours pour que gagne un accord et avec la société un accord qui vous permettre nous sortir dans crise nous hier qui vous permettre que nous rejoindre il y a des nègres à femme qui radical qui pas faire qu'un pas on va ça veut dire que le grand agenda il pas ouais pays hein il ouais tête on pas parler de ça yo mais il y a des monde qui très conciliatoire qui conscient que je dis un pays pas qu'à continuer dans crise que il y a là donc parce que tout sacrifice qui pour fait qui pour permettre pays avancer moi pense tout yo pareil pour faire que des monde qui en dedans et que des monde qui dehors quand comme dit je dis ça veut dire que si demain matin et mais c'est côté mchita et ti ça va me faire yo dit que son l'autre monde qui pi qualifié et qui fait et c'est noir col sorti et même pour me virer demain pour me bailler monde la chance pour faire parce que pour moi stabilité pays a doit être supérieure à intérêt personnel moi et je dis moi que chaque citoyen dans chaque organisme dans chaque institution qu'on y est aujourd'hui moi pense que gagne yon monde qui était à l'élection qui élu et qui gon mandat jusqu'au 7 février 2022 le Jovenel Moïse et puis le reste moi c'est que c'est des monde qui nommé c'est des monde qui choisi sous des formes ou c'est de l'autre etc. Et ben si pour tirer révérence ou qui pour permettre faciliter et déblocage pour bah y avancer moi c'est que tout monde en dans disposition ça je veux dire pas que gon haïtien qui pas fatigué avec la crise qu'a fait là ti monde pas qu'à l'école monde pas qu'à manger travail dola ça veut dire qu'on a trois problèmes pour t'arriver pour ta non point pour inconscient par rapport à problème pays et je dis pas quoi qu'un sacrifice qui trop grand même ministre par rapport à fait même ça moi-même et très honnêtement et autrefois m'a parlé avec un ami moi nous dans la faculté de droit ensemble moi dis que ou même sont les courage parce qu'on prend on travaille comme ça dans situation difficile et nous passer pays à d'aller reconnaître parce que des femmes, des garçons qui ont courage pour ces deux responsabilités, donc il va facile. Non, c'est sérieux. Et ben, ministre, en fait, moi-même, ben, d'arrêter que nous sommes dans une situation de crise. Mais en fait, est-ce que et nous ne pouvons pas aller dans une situation pour nous puissions enfoncer dans la crise davantage lorsque nous connaissons les conditions minimales, basio, nous pas réellement jeté. Là, je dis basio, pas réellement jeté. Puisque ça, au cas de toute bonne volonté, ou qu'a des courage ou pour responsabilité pour aider pays effectivement et c'est un constat. Bon par contre président journal comprend ça. Et puis finalement ou gagne bonne volonté pour aller et puis bah là l'écraser parce que justement et tant qu'on ou tout remarquer conseil électoral provisoire son constat li pas gagne pas joindre sous bason accord par avoir crise là. Moi bon non, il y a pas de question. C'est comme si me fait démarrer dans la vie. Et puis monsieur il me fait démarrer dans la vie et puis mon rêve maison caille maison belle caille d'ailleurs mais une belle machine on va d'ailleurs une belle madame tout on va dans la faculté rêve tout bail et puis c'est comme si me dit que pour moi tout bail ça yo faut que moi gagne cob là avant si ton côté on dit que quantité cob m'a besoin pour moi tout bail c'est $200,000 me dit m'a tant que me donne $200,000 mais d'abord jamais ni Kayla ni belle ti madame c'est à dire vous n'avez rien parce que m'a tant $200,000 ok ou bien me dit mon cher est-ce que mon belle ti fille de faculté à m'bal fidèle m'bal vendre ni rêve et bon rien comme là au moins m'vendre nos rêves et belle rien m'a fait il fait confiance et puis m'a rien avec donc m'gé fille à toujours qu'on a besoin Kayla mais pour m'gé Kayla faut m'commencer mon thé ou d'accord mais pour m'gé thé pour ma jeune journée qui d'accord que le peuple bon monter que m'ka balo 5000 gouttes kembe toujours et que monsieur d'accord sur principe ça que tête ça me commence gueule et ben au fur et à mesure m'gien tout ça me besoin pour m'expliquer qui ça élection son processus qui prend 6 à 7 mois pour préparer pour faire ça veut dire que sous tant que c'est là gien accord pour faire élection pas jamais faire. Ça veut dire 7 février privé pas gagner élection. C'est ça nèg yo aptan. À quoi pour le conseil électoral provisoire puisque nous sommes dans une situation de crise. Voilà. Pour moi c'est un petit peu ça. Il faut commencer et ces démarches ça nous est là au niveau gouvernement. Conseil EP qui met en place depuis octobre, bon ensemble de travail qu'a fait, gagne
appui qui baille, gain technique qui baille et nous même n'a avancé. Mais ça fait un job moi un job technique li. N'a fait travail pour nous faire qui pour faire élection possible et n'a fait avec tout respect des normes, n'a fait avec tout nous-mêmes. Et ça fait moi me pas parler de à l'aise, me pas parler de eux de ça pas faire parce que me très confortable n'a jamais bail support à payer. Pendant n'a fait ça, l'autre monde qui gagne l'autre responsabilité quand le président de la République là qui voulait accord qui ouvert mail continue à parler à monde. Mais bon côté faut que nous rencontrer un autre. Mais je dis hein, bon grain bagaille qui pour bail c'est l'espoir. Elle dit que tout ça me doit pour me faire forme quoi. Je dis faut que nous croyons que bon bagaille qui plus grand que nous pays. Nous bon pays en plus grand que nous. Nous avons des bagailles pour accomplir en d'un pays. Nous avons petit dans le pays. Comprenez bien. Elle dit que me fait gagner 54 ans. Elle dit que me gagne une petite fille qui gagne 23 ans. Mon l'autre qui gagne 24 ans. Mais vous faites là. Et puis pour me garder, pour me pas faire rien en dans cette période ça là, pour me être capable de créer un bagage meilleur pour génération qui va venir. Oui, bon, quand tu aimes, même commencer à 70 ans. Parce que j'ai 70 ans, je n'ai pas même force encore pour me dire que je parler dans la radio. Pas même énergie encore, ça agit à mon côté. Je regrette, oui. Ça veut dire que je veux dire, moi, je crois que nous-mêmes, tout ça capable. Ou ça dit tout à l'heure, grave projet de constitution, nous conscients que il y a des problèmes structurels en de constitution. Nous qu'à améliorer. Bon, initiative qui prend pour améliorer. Pour faire une nouvelle constitution. En bas qui la donne. Il y a qui dit, PM Evans Paul répond ça dans la radio, journaliste a dit, oh, et président Jovenel pas de légitimité. Et puis PM l'a dit, bon, est-ce que Gomoun de l'opposition qui a légitimité pour faire? Puisque Nègre dit, il a fait constitution tout. Il a besoin de transition pour faire constitution. Bon, président lui-même qui a un mandat, peuple là même qui bal mandat pour diriger pays jusqu'à 7 février 2022 li vive constitution li engager nos nouvelles processus pour une nouvelle constitution. Et mais qui ça nous gagne pour faire nous gagne pour engager je dis un contexte qui dans la rue et ben voyez commentaire parler dans radio venez avec recommandation on fait pour nous payer en service parce que bon green élément pour moi qui fondamental pour nous chaque grand haïtien là. Même si vous avez quoi pour pas vivre bien dans le pays? Misère, souffrance.